Alors bien le bonsoir à tous. Veuillez excuser ce petit retard qui est dû à un problème d'agenda de certaines des personnalités. Lorsque j'ai commencé à bâtir le procès de Dieu il y a près d'un an, je n'imaginais pas que nous aurions dû traverser, j'allais dire presque tant d'épreuves, pour finalement un festival d'éloquence et de rhétorique, qui est une réflexion transversale sur un sujet qui concerne tout le monde. Et j'aimerais commencer ce petit mot à remercier l'Université Paris 1 Sorbonne et surtout à remercier son président Georges Haddad. Je le dis sans aucune flagornerie. J'ai rencontré Georges Haddad il y a quelques années dans une conférence de la Sorbonne et il ne savait pas qui j'étais. Et tout de suite, il m'a traité avec égard, avec générosité. Il m'a enseigné que l'humilité vient avec la grandeur. Et aujourd'hui, j'ai le bonheur de l'appeler Oncle Georges, quand bien même... C'est davantage des gènes, j'allais dire, d'espérance et d'amitié qui nous lient que le sang. J'aimerais lui dire merci parce que derrière cet événement se cachent des pressions obscures, des insultes, des menaces envers l'université, envers ma personne, envers la personne de Monsieur le Président qui a résisté pendant des mois pour que cet événement se tienne dans cette université malgré les méchancetés et les stérilités tristes de certaines personnes. Et donc je souhaitais remercier abondamment Monsieur le Président pour son courage, pour sa générosité et... Satan se manifeste déjà. Mais le rallye sera l'occasion de le représenter tout à l'heure. Nous parlons de Satan et ça me permet de faire une transition heureuse. Je pense que Satan n'a pas voulu Dieu n'a pas voulu que ce procès ait lieu. Les gens sont tombés malades, d'autres personnes ont été empêchées, ils ont dû partir en Asie au dernier moment. Et tout à l'heure encore, certains des membres du jury m'expliquaient qu'ils ne pouvaient pas venir. Et donc, malgré tout, grâce à vous, cet événement pourra avoir lieu. Alors, pourquoi le procès de Dieu ? Pourquoi le procès de Dieu ? Déjà, est-ce que la plupart ici d'entre vous croient en Dieu ? Je ne sais pas. Je crois que sous nos latitudes occidentales, Dieu est un concept, sinon une idée, qui s'efface peu à peu. Les gens ne croient plus, croient en eux, peut-être davantage au matériel, à l'individu, mais de moins en moins à ce qui incarne l'homme. Alors, je pense qu'on peut être croyant ou être athée, et qu'il y a une noblesse ou deux. Mais je pense qu'il est bon de se poser des questions, de se demander pourquoi est-ce qu'on est là, où est-ce qu'on va, d'où est-ce qu'on vient. Et tout à l'heure, des intervenants brillants auront l'occasion de traverser l'univers en passant par l'avenir et tout ce que l'intelligence, qu'elle soit humaine ou artificielle, nous réserve. Et puis au fond, la question de l'existence de Dieu ou de son inexistence questionne nos espérances, nos concupiscences. Et après tout, comment croire en Dieu lorsqu'on souffre chaque jour ? Comment croire en Dieu lorsque les gens qu'on aime nous trahissent, nous trompent, nous mentent ? Comment croire en Dieu lorsque on sait que des personnes abusent de leurs filles, de leurs enfants ? Comment croire en Dieu lorsqu'on perd des enfants ? Comment croire en Dieu lorsque nos parents se séparent, ou comment croire en Dieu lorsqu'on a une maladie, lorsqu'on est paralysé, lorsqu'on croit qu'on va mourir? Comment croire en Dieu lorsqu'on voit toutes ces guerres, ces génocides? Comment croire en Dieu lorsque certains peuples ont la scélératesse de se croire supérieurs à d'autres? Comment croire en Dieu lorsqu'on veut aimer et qu'on se fait détruire? Mais aussi, comment ne pas y croire
lorsqu'on a le bonheur de rencontrer dans sa vie des personnes qui ne partagent pas votre sang et vous aiment comme si vous étiez leur enfant. Comment ne pas croire en Dieu lorsqu'on a eu la chance d'avoir quelqu'un qui vous a redonné le sourire, qui vous a redonné de l'amour? Comment ne pas y croire lorsque tout vous disait condamné et que la science ou peut-être quelque chose d'autre vous a guéri, vous a réparé? Comment ne pas croire en Dieu lorsqu'on voit que vous êtes ici si nombreux à se poser ces questions et à vous demander, à chercher des questions finalement? Et j'aimerais rappeler un mot que Madame le secrétaire perpétuel de l'Académie française, Hélène Carrère-Dancos, qui devait venir mais qui a été retenue pour un colloque en Russie, me disait l'année dernière. Elle m'a dit, on ne vit pas pour l'instant. On vit pour quelque chose qui souffle. Alors espérons, parce qu'espérer, c'est aimer. Et aimer, c'est renaître chaque jour. Chers amis, chers maîtres, chers neveux, eh oui, depuis que je t'ai rencontré, je crois encore plus en Dieu. Avoir un neveu comme Pascal Galli, je vous promets que ça donne un sens à votre existence. J'ai mes enfants que j'adore, ils sont là, une partie, mais découvrir qu'on a un neveu comme Pascal, je vous promets que ça vous situe dans votre vie et dans vos espérances. Alors, le procès de Dieu, comment ce titre est-il venu? Pascal m'avait tendu un piège, il y a un an et demi, à l'Assemblée nationale, dans le cadre du choc des légendes qu'il organise, et j'ai eu la chance de rencontrer de grands maîtres, maître Charrière-Bournazel, maître Tricot, maître Perrier, maître Henri Leclerc, et le thème, Pascal, tu te souviens, celui que tu avais choisi, c'est « Jouissance humaine, jouissance divine ». Voilà, bon, alors qui de Dieu ou des hommes jouit davantage? Difficile question, et je tiens à dire combien maître Henri Bonnant, maître Bonnant aussi qui était présent, ça a été époustouflant. J'ai été transporté par vous, maître, par tout ce que vous avez dit avec humour, mais avec sagesse, avec expérience et avec talent. Et puis, je ne savais pas, parce que je suis toujours très distrait, bon, je le suis un peu moins ce soir, parce que je me suis préparé, il ne m'a pas lâché. Et Pascal me dit, mais il faut dire quelque chose en conclusion. Et ça, je ne m'y attendais pas. Mais je préfère la spontanéité que les discours préparés. Et j'ai eu cette idée de revenir sur un livre qui m'avait été présenté par un de mes maîtres, qui s'appelait Elie Wiesel. Et Elie Wiesel a écrit un ouvrage, une pièce de théâtre, que je vous conseille de lire, qui s'intitule en français « Le procès de Shamgorod ». En anglais, sa femme l'a traduit par « The Trial of God ». Alors, de quoi s'agissait-il? Je tiens à vous le dire pour que vous compreniez un peu la raison pour laquelle j'avais proposé, pour la cérémonie d'aujourd'hui, que nous abordions cette question. Shamgorod, vous savez tous où c'est en Ukraine, c'est une petite bourgade d'Ukraine, et en 1649, ce procès a existé. En 1649, s'est produit, comme régulièrement dans l'histoire du peuple juif, un pogrom abominable, où toute la communauté juive de Shamgorod, à l'exception de deux personnes, avait été exterminée. Exterminée. Il restait comme survivant l'aubergiste et sa fille, qui avaient subi les derniers outrages, comme vous pouvez l'imaginer, et qui était dans un état de sidération absolue. Et la communauté solidaire de chrétiens et de non-croyants avait décidé d'être solidaire et de porter le réconfort qu'il fallait porter à ces deux survivants. Et cette journée-là, c'était une journée importante dans la religion juive, dans l'histoire juive, c'était la journée de Pourim. Je ne sais pas si vous connaissez Pourim. Le peuple juif a échappé à un massacre terrible grâce à la reine Esther
et à son oncle Mardoché, Mordechai en hébreu, et par son sacrifice, elle avait évité une destruction totale du peuple juif en Perse. Et c'est dans le livre d'Esther qu'apparaît pour la première fois le terme antisémite. C'est dans le livre d'Esther, et je tiens ça des grands penseurs de la religion, le pape lui-même, Jean-Paul II, avec qui je parlais de cette affaire, m'avait révélé lui aussi que le mot antisémite, antisémitisme, apparaît dans le rouleau d'Esther, les rouleaux d'Esther. Et donc, à Pourim, c'est une période de fête, c'est la période des masques, vous savez, de la célébration par les masques, le carnaval vient de Pourim. Donc, le carnaval vient de Pourim, et donc c'est toujours à la même période, vers le mois de février-mars. Et là, les survivants et ceux qui venaient porter témoignage s'étaient dit, nous n'avons pas le cœur à célébrer et à fêter justement la fête de Pourim comme il se doit. Arrive incidemment une troupe de comédiens juifs qui allaient de shtetl en shtetl, de village en village, pour porter les masques et célébrer. Et les comédiens n'ont pas non plus le cœur à fêter cette fête joyeuse. Et la communauté décide unanimement d'instruire le procès de Dieu. Et donc, les rôles se répartissent, comme il le faut, pour un procès. Moi, je ne suis qu'un mathématicien, donc je ne sais pas comment cela se construit. Mais il était clair qu'un procès ne peut se faire que s'il y a un avocat de l'accusé. Il faut à tout prix qu'il y ait un avocat de l'accusé pour que le procès puisse s'instruire. Tous les rôles avaient été distribués, juge, procureur, etc., sauf celui d'avocat. Personne dans la communauté des hommes, des humains de cette période, n'a eu le cœur ni le courage de défendre Dieu. Et donc le procès ne pouvait pas se tenir. Incidemment arrive un étranger que personne ne connaissait, la pièce le raconte merveilleusement bien, et cet étranger s'enquiert de la situation. Il dit que se passe-t-il ? Et on lui explique qu'il n'y a pas d'avocat pour Dieu. Et cet homme, cet inconnu, cet étranger mystérieux, dit qu'à cela ne tienne, je serai l'avocat de Dieu. Et ensuite, toute la pièce porte sur cette question fondamentale, quand plus aucun homme sur terre n'a le courage ou la force de défendre Dieu, qui vient sur terre défendre Dieu ? Qui vient sur terre défendre Dieu ? Lorsque plus aucun homme sur terre, aucun humain, n'a ce courage, cette force et cette volonté. La pièce nous le fait découvrir. Bon, vous le savez maintenant, c'est un secret de Polichinelle. Eh bien, c'est le diable lui-même qui a pour mission de venir défendre Dieu. Donc, c'est pour cela qu'après jouissance humaine, jouissance divine, j'ai eu cette idée parce que Elie Wiesel, que j'ai connu, et j'ai beaucoup d'émotions en parlant de lui, m'avait dédicacé son livre, Le procès de Chamgorod, qu'on ne retrouve plus aujourd'hui, qui n'est plus édité. Je l'ai retrouvé sur Amazon, je ne fais pas de pub, en anglais. Et donc là aussi, je trouvais qu'il était intéressant d'instruire ce procès, mais ce n'est pas Dieu qui est en procès, c'est l'homme, comme tu l'as dit. Pourquoi en sommes-nous arrivés là ? Et pourquoi nous abritons-nous devant Dieu, ce Dieu que nous avons créé peut-être, ou qui nous a créé peut-être, pour expliquer toute la détresse et la misère humaine. Donc là aussi, c'est un procès important, à mon sens, qui nous place face à nos responsabilités, face à tout ce que nous portons en nous, de bon et de mauvais. Vous savez, cette barbarie à visage humain qui nous menace à tout moment. Et je tiens à dire aussi que Pascal a eu raison de mentionner les pressions que nous avons subies, lui et moi, à l'égard de certaines personnalités, que j'en vois une ici, que nous n'avons pas pu accueillir comme il le fallait, parce qu'aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, comme le monde d'hier, les tartuffes, les censeurs, les inquisiteurs sont de plus en plus nombreux, et avec Internet et avec tous ces moyens de communication, ça ne s'améliore pas, bien au contraire. C'est pour cela que l'éducation est importante, c'est pour cela que l'université, qui est une institution citoyenne, je le répète, nous ne sommes pas là uniquement pour diplômer et pour produire des savoirs par la recherche, mais nous sommes là, notre mission fondamentale, c'est d'éclairer, de créer les conditions du débat, du dialogue, d'accueillir toutes celles et ceux qui pensent, normalement,
Hein, il ne faut pas aller à l'outrance. Bien sûr, il y a des personnes que je n'inviterai jamais, et vous avez bien compris de quel bord elles sont. Mais il est clair que l'université est une institution citoyenne qui doit avoir la force et le courage d'aborder toutes les questions de société. Vous le savez, récemment, j'ai été interpellé sur les questions du radicalisme, en particulier sur une petite formation qui n'avait rien à voir avec un débat universitaire. Et je vous l'annonce, en réponse à tous ces censeurs et à tous ces menteurs, j'ai décidé de monter un grand comité scientifique en Sorbonne, composé d'éminentes personnalités de toute croyance, de toute obédience et de toute sensibilité, pour organiser ce que j'appellerai les colloques de la Sorbonne, abordant toutes les questions brûlantes de société, y compris la radicalisation qui nous menace dans bien des domaines. Hein. Il ne faut pas stigmatiser une population, hein, certainement pas, une communauté, certainement pas, une religion, certainement pas, mais l'université est là pour être présente dans tous les débats de société. Voilà ce que je voulais vous dire. J'espère que vous viendrez à nos colloques. Ils vont commencer très bientôt, hein, très très bientôt, et nous aborderons sans réserve, en toute objectivité, en toute sincérité, en toute honnêteté, toutes les questions de société que les médias aujourd'hui ne peuvent pas aborder ou ne savent pas aborder, et y compris que nos politiques aussi ont tant de mal à traiter. Il faut que l'université s'affirme pour ce qu'elle est, je le répète, une institution citoyenne. Je vous remercie. Alors, chers amis, je vous sais assoiffé d'éloquence, assoiffé de jouissance. N'ayez crainte, les choses vont commencer maintenant. Alors, nous allons commencer les prolégomènes, les prémices, les préliminaires du procès avec des interventions de deux individus. L'un sera l'envoyé du diable qui a consenti à nous envoyer l'une de ses plus obscures créatures pour cette soirée unique, et l'autre, n'osant pas ou ne voulant pas se montrer devant un parterre de mortels, a dépêché son séraphin, et comme vous le savez, le séraphin, c'est le premier cœur des anges, c'est donc ceux qui sont le plus proches de Dieu, qui sont à l'oreille de Dieu. Alors, nous allons commencer cet événement, les prémices de cet événement, par Maître Loralice Bouvier, qui est une avocate à Paris, une avocate de talent, une docteure en droit, une fille d'une grande sympathie et d'une grande vitalité que je connais seulement depuis quelques mois. Je ne doute pas que de longues années nous attendent ensemble. Et, enfin, à titre d'amis, j'entends. Et je tiens à saluer, parce que pour moi c'est très important, ses parents, le professeur Michel Bouvier et Madame Esclassan, qui ont été, il y a un peu moins de 10 ans, mes professeurs, et j'ai fait un master de droit fiscal pour vous, monsieur Michel Bouvier, vraiment. Et donc, merci beaucoup, et donc je vois qu'en fait, par votre fille, les choses se recroisent. Ah, ah. Non, c'est... Oui. Non, mon cœur n'est plus à prendre. Mais... Pas ce soir, en tout cas. Ensuite, je ne le présente plus, le séraphin de Dieu sera Maître Bertrand Perrier. Alors, je dois dire quelque chose sur Bertrand. Bertrand, je dois être honnête aujourd'hui parce que c'est le procès de Dieu. N'oublions jamais qu'un procès n'est pas fait que pour condamner. Il est fait pour rendre justice, donc pour rendre la vérité, vérité indicible, vérité parcellaire. Donc, essayons d'être un peu honnête avec... Je n'aimais pas du tout Bertrand Perrier avant. Parce que je le connaissais trop et lui ne me connaissait pas assez. Mais j'ai eu il y a quelque temps une révélation. Il m'est apparu en songe. Non, ça c'est une plaisanterie. Mais j'ai vraiment eu une révélation. J'ai découvert quelqu'un de bien. Et je pense, et aujourd'hui je le considère comme un grand frère, comme quelqu'un qui a ramené l'éloquence en France. Je pense que, sans publicité particulière, Bertrand Perrier est celui qui a ramené l'éloquence dans les amphithéâtres,
dans les banlieues, dans les villes. Et j'en profite pour parler de Marc Bonan, qui est le plus grand orateur francophone classique au monde et le meilleur improvisateur sur cours. Bertrand Perrier est le meilleur improvisateur sur scène. Donc, je vais les laisser vous ébaudir. Je remercierai tout à l'heure ceux qui feront l'accusation et la défense de Dieu pour ne pas être trop long et vous laisser vous réjouir. Et également certaines personnes. Je souhaiterais saluer la présence du bâtonnier Elie El-Kaïm, qui est le président de la Conférence internationale des barreaux, qui est un grand ami et quelqu'un, un grand ami de mon père, un grand frère aussi, quelqu'un de formidable, et que d'ailleurs je souhaitais, en le prenant dépourvu comme ça, il ne pourra pas refuser, l'inviter à rejoindre le grand jury tout de suite. Monsieur le bâtonnier. Alors, sans plus tarder, l'envoyé du diable, la créature obscure, concupiscence ou espérance, Maître Loralys Bouvier. Alors, je suis la dite créature obscure. Alors, mesdames, messieurs, je dois dire que je ne m'y attendais pas. Convoquer le diable à un événement comme celui-ci, vous en conviendrez, c'est particulièrement risqué. Alors aujourd'hui, je voudrais rendre hommage à votre grand respect de votre fameux principe du contradictoire, sans lequel, clairement, je ne serais pas là aujourd'hui. Bon, vous connaissez ma fonction, de toute façon, ne vous attendez pas à ce que je vous dise des choses agréables. Tous ici, vous vous attendez à ce que je me réjouisse du procès que vous faites à ce que vous qualifiez de Dieu. Je dis bien ce que vous qualifiez parce que, où est-il aujourd'hui? Je ne le vois pas dans le box des accusés. Alors, est-ce un procès par défaut que vous comptez organiser? Est-ce un procès virtuel que vous comptez faire? Un procès à une personne virtuelle? Je vais vous dire, moi, pourquoi il n'est pas là. Et je vais vous dire quel est le sens de ce procès. Alors j'ai d'abord pensé, ils sont à l'ère de l'intelligence artificielle, de la mondialisation, de la digitalisation, des réseaux sociaux. Leur monde fourmille d'internautes et c'est un jeu en ligne qu'ils comptent organiser. Mais où sont les ordinateurs? Où sont les internautes? Nulle part. Donc ce n'est pas cela. Mais rassurez-moi, vous êtes peut-être dans un scénario à la Harry Potter? Non. Ce n'est pas possible, ce serait beaucoup trop mécréant. À moins que vous n'ayez voulu me tendre un piège, vous moquez de moi. Vous vous êtes dit, le diable va être en joie, il va arriver triomphant, persuadé que nous sommes assez stupides pour faire le procès de son rival, ce que vous appelez le bien. Et vous aviez prévu de me ridiculiser, et par là même de faire le procès du diable. Eh bien, on va voir. À moins que vous ne soyez vraiment sérieux, sincère, et que vous ne projetiez vraiment de faire le procès de ce que vous qualifiez de Dieu. Alors c'est vrai que je devrais m'en réjouir, effectivement. Mais en fait, non. Parce que mon plaisir est ailleurs dans ce procès. Parce que ce procès va me permettre de faire exploser ce que vous appelez le mal. Ce procès va me permettre de vous mettre définitivement face à votre solitude et à votre sentiment tragique de la vie. Parce que ce Dieu, qui n'est pas là aujourd'hui, il est le produit de vos peurs, de vos angoisses, de vos interrogations métaphysiques. Il s'agit d'un mythe, d'un imaginaire destiné à répondre aux questions que vous vous posez. Vous avez toujours essayé de vous rassurer en vous créant des dieux. Je dois dire que je regarde vraiment ça en riant. Comment pouvez-vous être aussi sûr de pouvoir faire le procès de Dieu? Tournez-vous plutôt vers l'histoire des religions, vers l'histoire des mythes, vers les écrits de vos anthropologues. Vous y trouverez les réponses les plus variées à vos interrogations. Ça donne le sens de la relativité. Et en parlant de relativité, si nous nous tournons vers la science, si nous nous tournons vers Einstein et sa théorie de l'espace-temps, si nous nous tournons vers Max Planck et sa théorie des quantas, qu'est-ce qui est dit
par vos physiciens, vos biologistes, vos scientifiques, que le monde est vide, que la matière elle-même est du vide quantique. Plus on progresse dans la connaissance, plus on constate que le monde est vide, qu'il y a peut-être des multivers, des univers à 10 dimensions, des êtres à la fois morts et vivants, selon Erwin Schrödinger. Plus encore, le principe d'incertitude d'Heisenberg se vérifie tous les jours. Vos notions classiques de position et de vitesse n'ont pas cours dans l'infiniment petit. Mesdames et messieurs, vous êtes en train de faire un procès à du vide, avec une institution judiciaire, des principes juridiques et un apparat qui se trouve face à un vide et qui lui renvoie sa propre vacuité. Et puis moi, qui suis, soi-disant, l'envoyé du diable. Qui suis-je? Qu'est-ce qui vous dit que je ne suis pas le diable lui-même? Parlons de choses sérieuses. Qui suis-je, effectivement? Suis-je un être fourchu que l'on rencontre dans un bois au détour d'un cauchemar? Sous le prétexte que le port des cornes et de la queue est depuis longtemps passé de mode dans les Fashion Week, on fait mine de me prendre pour un personnage de carnaval? Vous vous faites une idée de moi qui est fausse. Et je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire, moi, qui je suis. Je suis ambiguë. Je suis un paradoxe. Je suis un oxymore. Je suis un quiproquo. Je suis le produit de quelque chose qui n'existe pas. En fait, je suis moi aussi le produit de votre imaginaire. Je suis le diable, mais je suis Dieu à la fois. Et je suis même plus que ça. Je suis l'humain. Et je suis même trop humain, comme pourrait dire Nietzsche. Et en faisant le procès de Dieu, c'est votre procès que vous faites. Et on pourrait dire que là est ma plus grande force, ou peut-être est-ce ma plus grande faiblesse. Vous faites aujourd'hui un procès à un mythe, à un imaginaire, au sein duquel Dieu et diable sont indissociables et se retrouvent au sein de chaque individu, bienfaisant et malfaisant à la fois, créateur et destructeur de vie, prétendant à l'éternité, à la toute-puissance, mais en même temps conscient de sa propre impuissance. Alors dans ce cas-là, mesdames, messieurs, comment pouvons-nous faire un procès à un homme, à l'humain, si ce n'est de nous avoir fait croire, durant des siècles, à des constructions imaginaires, à des représentations des origines du monde ou à des idéologies parfois particulièrement dangereuses pour la survie de l'humanité. À moins que vous ne fassiez le procès d'une humanité capable de transférer son intelligence dans une intelligence artificielle pour le meilleur et pour le pire. Mais rien de tout cela n'est pourtant certain, je vous l'ai dit, c'est un principe d'incertitude qui s'applique aujourd'hui. Mais sommes-nous certains de ce principe? La certitude de l'incertitude n'est-elle pas paradoxale et contradictoire? Il y a de quoi déraper, non? Je sens que je vous embrouille. C'est mon rôle. Mais c'est aussi en cela que je suis votre pire danger. En réalité, c'est la difficulté de se rendre compte du manque de fondement de nos croyances qui est diabolique. Je vous remercie. Sans plus attendre, l'intemporel, l'invincible, le rafraîchissant, Séraphin de Dieu, Bertrand Perrier. Mesdames et messieurs, je lis dans votre regard la déception, puisque la grande différence entre l'avocat du diable et l'envoyé de Dieu est d'abord physique. Et
À l'évidence, l'envoyé du diable s'habille en Prada, l'envoyé de Dieu s'habille en Célio. Après tout, c'est une question de moyens. Elle a tous les escrocs de la terre, je n'ai que le denier du culte. Et les Louboutins sont incompatibles avec le vœu de pauvreté. À titre personnel, j'y ai ajouté la chasteté, mais c'est plus une contrainte qu'un choix. Je dis Louboutin parce que, somme toute, je ne suis pas toujours habillé, moi, le séraphin de Dieu, c'est-à-dire cet angelot un peu fessu et potelé que l'on représente. Je vous remercie de rire à poteler, elle n'était pas censée être drôle. Je me bats tous les jours avec la méthode de Bernard Canetti, et donc je vous prie de m'aimer comme j'aime. Et donc, effectivement, parfois, je n'ai même pas les moyens de m'habiller, et je me surprends étant portraituré dans cette salle, puisque je suis là, voyez-vous, nu, avec des ailes, et devant Solange Doumic, ma cliente, et derrière Pascal Galli, et dont j'apprends que je suis le frère. De toute évidence, il n'est pas très regardant sur la génétique, et ni sur la polygamie, puisqu'il vient de se marier et qu'il épouse in petto l'avocate du diable. Honnêtement, tout cela ne me paraît pas très clair, mais nous allons résoudre ça dans le pot de fin de soirée. Donc je vous explique la situation, et je suis le séraphin de Dieu, envoyé de Dieu, pour protester évidemment contre cette ignominie que constitue le procès de Dieu. Je suis ravi d'avoir un allié dans le jury qui n'a pas été récusé, et je crois que la neutralité, évidemment, est une vertu divine, cardinale, et que vous n'avez évidemment, et que j'ai l'impression qu'on me souffle de l'air dans le dos qui substitue l'absence totale d'imagination, de travail et d'inspiration qui me caractérise à l'instant, mais tout cela n'est pas très grave, et donc je suis venu du ciel. Nous avons fait un covoiturage avec Monsieur Bogdanov, hein, qui est là, puisque, bien évidemment, nous deux venons de contrées assez lointaines que vous autres ne visiterez qu'après le jugement dernier, si vous avez un peu de chance. Et je serai peut-être, si vous avez été gentil ce soir, votre avocat au moment du jugement dernier. Donc soyez gentil. Vous voyez, un jour tout se paiera. Et un jour peut-être vous aurez besoin de moi. Et j'aime l'idée, peut-être, après avoir été avocat au Conseil d'État, d'être avocat au Conseil de Dieu. Et ce jour-là, on reparlera de charges vénales et de monopole. Donc, donc je suis infiniment heureux d'être là pour intercéder pour mon patron, dans une idée assez étonnante de ce procès de Dieu. Alors, voyez-vous, le président Haddad l'a dit dans sa grande sagesse, c'était pas simple, mais enfin, le procès de Dieu, ça c'est fait. Et c'est dingue. Enfin, je veux dire, c'est vrai que Pascal Galli, qu'on aime beaucoup, dont j'apprends qu'on a une fraternité, on partagera l'héritage, c'est pas grave, y a rien. Et Pascal Galli avait mille raisons d'organiser une soirée, on pouvait faire le procès de l'argent, le procès du progrès, le procès du savoir, etc. Et non, c'est vrai que dans un climat apaisé autour de la religion, voilà un choix consensuel. Quelle excellente idée pour ne pas avoir d'emmerdement. C'est vrai que l'idée de faire le procès de Dieu, c'était la meilleure idée qui soit. Enfin, tu arrives dans une université, on te dit qu'il y a François Hollande, qui n'est pas quand même un révolutionnaire de la pire espèce, on brûle ses bouquins. Sylviane Agacinski, qui est donc la femme de Lionel Jospin, qui dit là encore qu'elle n'est pas une révolutionnaire, on l'interdit d'amphithéâtre. Et nous, eh ben non. Et donc, Dieu est là, il est quelque part par là, il m'a chargé de vous saluer, et donc on va faire le procès
de Dieu, et ça, c'est quand même infiniment rassurant que dans un amphithéâtre, on puisse encore, aujourd'hui, alors qu'on a un rapport objectivement un peu compliqué en ce moment, avec tout ce qui a trait avec les puissances de là-haut, eh ben c'est pas grave, grâce à Pascal, grâce à Georges, il reste encore des espaces où on peut parler de Dieu, un peu au second degré, sans blasphème, mais sans irrespect, et de tout cela, on va faire une très belle soirée d'éloquence. Parce qu'au fond, voyez-vous, ce qui différencie tout ça, c'est l'éloquence. C'est l'éloquence qui va nous permettre de magnifier ce sujet de telle sorte qu'on va pouvoir en parler de façon apaisée, raisonnable, peut-être un peu humoristique, si véritablement il me prête un peu de ressources là-haut, parce que j'en manque un peu en ce moment. Mais véritablement, c'est ça le miracle. Le miracle de Dieu, c'est qu'on peut en parler et qu'on peut en parler ici en Sorbonne parce que ce qui nous vient à la rescousse, eh bien, c'est le goût des mots parce que finalement, qu'est-ce qu'il est Dieu sinon le Verbe ? Et il était évident que pour un festival d'éloquence, il fallait parler du Verbe. Après, le Verbe s'est fait chair aussi dans la personne d'Alice Bouvier. C'est ça qui est formidable, c'est que Dieu se fait chair, mais il n'est pas regardant. Il peut se faire chair comme ça ou comme ça. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est que Dieu a aussi ses moments de faiblesse. Elle est du premier jour, moi je suis du septième jour. Et de toute évidence, au moment de me féconder, Dieu a eu un petit coup de mou. Et ça donne ça, mais c'est pas grave. Et donc, ma question est, pourquoi faites-vous le procès de Dieu ? Pourquoi lui en voulez-vous à ce point pour l'accuser ? Alors, évidemment, la vie divine commence et finit par une sorte de procès. Elle finit par le procès du jugement dernier que j'ai évoqué tout à l'heure. Elle a commencé par, évidemment, la chute où Dieu a condamné les hommes. Mais êtes-vous suffisamment rancunier pour venir ici prendre votre revanche ? Alors que là, finalement, c'est un peu dérisoire. Nous allons passer une soirée. Mais ceux qui vont requérir contre Dieu, je te le dis, Christian, c'est pas raisonnable. Dieu n'est pas rancunier, mais il a de la mémoire. Et un jour, tu le regretteras. C'est-à-dire, pour avoir brillé une demi-heure, tu vas brûler pendant l'éternité. Parce que, avec toute l'affection filiale que j'ai pour toi, Christian, bien sûr, je t'aime de tout mon cœur, mais je ne pourrai rien pour toi. Car, quand tu arriveras là-haut, bien sûr, tu diras, j'ai été bâtonnier, j'ai été bon, j'ai été confraternel, mais tu auras un casier judiciaire de ce soir. Et ça, le patron, là-haut, il est comme à la police, il a son casier judiciaire, et tu seras considéré comme un multirécidiviste, et donc tu iras là-bas, 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 avec, en même temps, l'éternité avec Laure Alice Bouvier. C'est déjà quelque chose, tu vois, Pascal Galli, en un quart d'heure, c'est fait. Toi, tu as l'éternité pour toi. Véritablement, je suis un peu jaloux, mais malgré tout, je vous regarderai dans la GN éternelle en train de cramer, et puis nous deux, ben, on sera là, puis on vous fera des coucous, on vous enverra des cartes postales, nous, on se marrera, on jouera à la marelle avec Marie-Madeleine, qui nous donnera peut-être ses charmes ultimes, on ne sait pas trop. Peut-être que si on s'est trompé de paradis, il y aura 70 vierges qui... On n'en sait trop rien, monsieur l'abbé, vous savez, on peut gagner sur tous les tableaux, hein. Donc finalement, on ne sait pas, mais nous, on est sûr qu'on est du bon côté de la barrière, en tout cas. Et donc, Christian, on te fera des coucous et on ne pourra rien pour toi et on en sera évidemment désolé. Et donc, voilà, sachez que Dieu ne vous en veut pas, en tout cas
pas maintenant, mais que un jour ou l'autre, tout se paye et que il a l'éternité pour lui, n'est-ce pas ? Et que vous, vous avez juste 20 minutes pour vous, et donc profitez-en bien. Et donc voilà ce que je voulais vous dire comme bêtise avant que les vrais plaideurs ne prennent la parole. Je suis ravi d'être ce séraphin très temporaire. Moi qui ai fait ma première communion, c'est là, comme disait Pierre Desproges, qu'on apprend que Dieu fond dans la bouche et pas dans la main. Et donc, oui, mais voyez-vous, je suis le séraphin de Dieu, donc j'ai un totem d'immunité. Je peux blasphémer, mais moi, je remonte là-haut. Moi, j'ai l'ascenseur. Moi, j'ai le forfait Otis, voyez-vous. Et donc, je n'ai pas de problème, parce que j'ai des indulgences jusqu'à la fin de mes jours, qui sont déjà arrivées d'ailleurs, parce qu'à un moment j'étais en Sorbonne, et puis maintenant je suis un être fictif, un hologramme à la Mélenchon. Et donc, voilà ce que je vais vous dire en guise d'apéritif. Et donc, avant que nous entendions l'accusation, qui dira ce qu'elle a à dire, et puis mon avocate Solange Doumic, qui évidemment lavera Dieu de tous les soupçons scandaleux. D'ailleurs, j'observe que nous ne savons pas du tout, dans cette soirée, de quoi Dieu est accusé. C'est tout à fait étonnant comme procès. Enfin, un procès où on ne sait pas de quoi on est accusé, au regard de la Convention européenne des droits de l'homme, à titre personnel, ça me choque. Mais à supposer d'ailleurs que Dieu soit un sujet de la CEDH et qu'il n'ait pas une convention divine des droits de l'homme, ou des droits de Dieu d'ailleurs, qui ne sont pas les droits de l'homme, mais qui s'appliquent de façon extraterritoriale au paradis, là où je vais repartir dans un instant, ayant fini de vous lasser et de vous servir d'amuse-bouche avant que Christian et Solange, qui sont les vrais orateurs de la soirée, ne prennent la parole. Évidemment, on a aussi beaucoup d'amitié pour Marc Bonan, qui n'a pas pu venir, mais auquel on pense très très fort ce soir, qui est le dieu des dieux, bien évidemment. Moi, je suis son séraphin, c'est-à-dire que je lui apporte un peu d'eau quand il en a besoin, je lui cire les chaussures quand véritablement ils ne sont pas totalement neuves. Enfin, voilà, je suis bien le séraphin de Marc, et je ferai aussi le séraphin des Louboutins, éventuellement, de Laura-Lise Bouvier, même si c'est plus cher, et que ça pourrait me faire entrer en tentation, mais je suis un pur esprit, donc pas de ça chez moi. Donc, évidemment, Solange, qui est une avocate merveilleuse, prendra la défense de Dieu. Quelle merveilleuse soirée, tout de même, qu'une soirée d'éloquence, organisée envers et malgré tout, et parfois contre tout, par Pascal, par Georges, autour d'un rapport apaisé avec Dieu, qui est finalement est une espérance, que l'on y croit, que l'on n'y croit pas, celui qui y croyait, celui qui n'y croyait pas, que le ciel soit vide, que le ciel soit peuplé. Finalement, tout cela, ce sont d'abord des interrogations, c'est d'abord un moteur de nos vies, c'est aussi le moteur de cette soirée que je vous souhaite divine en diable. Alors pour ceux qui n'avaient pas vu avant de venir, je pense que l'intervention de Bertrand Perrier a réjoui chacun et ramené un peu d'espérance, en tout cas un peu de joie dans nos cœurs à tous. Alors, sans plus tarder, le procès va maintenant commencer. Le procès va se dérouler de la manière suivante. Nous allons avoir des témoins exceptionnels, qui sont des grands scientifiques, qui vont venir vous parler de science et de Dieu dans la science dans Dieu, même si ça peut paraître un peu tendancieux. Et donc, nous allons avoir un chercheur en intelligence artificielle, qui est Madame Laurence De Villers, professeure au CNRS, l'IMSI-CNRS, qui va vous faire une intervention sur l'intelligence artificielle et Dieu. Et son intervention sera suivie des questions de Monsieur le bâtonnier Christian Serre-Bournazel, et de mettre Solange Doumic, qui interrogeront à charge et à décharge, évidemment, les témoins sur ce qu'ils auront à dire. Donc, il y aura une courte intervention
de madame, et ensuite vous poserez des questions, une ou deux questions, afin que ça reste assez interactif. Ensuite, nous avons la chance d'avoir M. Lachette, qui est un grand professeur, un grand astrophysicien, qui nous fait l'honneur, véritablement, d'accepter de délibérer, de philosopher avec nous sur Dieu, le cosmos, les trous noirs, le Big Bang, finalement, qu'est-ce qui vient du néant, qu'est-ce qu'il y a après, est-ce que l'univers grandit, si l'univers grandit, dans quoi est-ce qu'il grandit, enfin, un certain nombre, oui, j'ai beaucoup réfléchi avant l'événement, et un certain nombre de choses formidables. Bref, sans plus tarder, monsieur le professeur, madame Laurence de Villers, vous avez la parole. Que d'émotions. Qu'est-ce que fait l'IA avec Dieu? Déjà, moi, je me suis posé cette question en arrivant. Évidemment, il n'y avait pas de sujet réel de procès, mais en plus, on me demandait de parler de l'IA. Qu'est-ce que l'IA a à faire avec Dieu? Le mot latin, ordinateur, connaissez-vous son origine en latin? Le mot qu'on utilise en anglais veut dire quoi? Calculateur, computer. Et que veut-il dire lorsqu'on regarde le latin? Cela veut dire quoi? Deus ordinat. C'est-à-dire Dieu met de l'ordre dans le monde. Extraordinaire. Voilà une entrée. Il y en a d'autres. On m'a dit quand j'étais jeune, dans des études chrétiennes, que Dieu était amour. Alors si je me tourne maintenant vers l'IA, qui sont des objets que je maîtrise, je fais des robots affectifs, il n'y a pas d'amour là-dedans, hein. Rien du tout. Aucune conscience, aucune émotion réelle, que de la simulation. Mais on cherche à nous le faire croire. Donc de qui fait-on le procès ici? Eh bien, des hommes qui se prennent pour Dieu. C'est cela que j'ai compris. Dieu est partout, de Deus, Homo Deus. Avez-vous lu ce livre de Yuval Harari? Nous sommes prêts à égaler les dieux et à devenir des hommes-dieux. Alors, qu'est-ce que dit Yuval? Il distingue trois phases de l'évolution de l'être humain. Première phase, l'être humain subit les caprices de la nature, les fléaux, les épidémies. Il croit même que ces fléaux sont envoyés par Dieu. Deuxième phase, l'être humain aspire à maîtriser son destin grâce à ses connaissances scientifiques. Troisième phase, nous y sommes, nous construisons des machines embarquant de l'IA qui sont capables de nous manipuler. D'après Harari, on en fait des super-humains. D'après moi, on en fait des super-manipulateurs. Et c'est cela mes sujets de recherche actuellement. Nous serons surveillés en permanence si l'on n'y fait pas attention à ces IA Dieu. Elles sont construites pour l'homme, si on y fait attention, oui. Mais sinon, elles sont construites uniquement par une poignée de riches humains, des GAFA, ayant le pouvoir. Aujourd'hui, les courants transhumanisme nous expliquent que l'humanité serait arrivée dans une phase où les progrès de la science, des nouvelles technologies, les NBIC, nano, bio, informatique et sciences cognitives, devraient permettre à l'homme de comprendre rationnellement la nature et de la maîtriser. Je ne crois pas. Pour eux, l'humain serait passé des religions à un humanisme qui fait que l'être humain, de l'être humain, un homme-dieu. Aujourd'hui, l'idée d'un être humain devenu Dieu repose sur une surévaluation des résultats scientifiques, une surévaluation des résultats en neurosciences. On ne sait pas encore ce que c'est que le substrat de la conscience. On ne sait pas ce qu'est l'inné et l'acquis. On ne sait pas beaucoup de choses qui ne nous permettent pas de dire que l'on va simuler cela sur une machine. On ne sait pas non plus mettre des émotions dans une machine, c'est encore mon sujet. Mais pourtant, mes collègues japonais le font. Ils essaient de mettre de l'homéostasie dans une machine pour qu'elle ait du plaisir et de la douleur, afin de mieux nous manipuler. Alors c'est vrai que j'ai pris le côté noir. C'est vrai que c'est très utile également, si on veut développer des objets pour nous aider mieux, pour avancer mieux sur ce que nous sommes, pour aider les plus vulnérables, pour aider les personnes âgées à rester chez elles, pour aider dans les maladies, dans les dépendances. Oui, on a besoin de l'IA, ce ne serait pas éthique de renoncer à l'IA. Mais il est très important de parler d'éthique, il est très important de comprendre qu'on ne copie pas le cerveau d'un humain sur une machine actuellement, on ne sait pas du tout si on saura le faire, et pourtant certains le prétendent. Qu'est-ce que cela veut dire dans ce cas? Cela veut dire qu'on serait réduit uniquement à la capacité du cerveau. Or, si vous écoutez un petit peu la religion, l'humain, c'est le corps et le cerveau. Nous sommes hommes parce que nous sommes un. Et ce que disait aussi Spinoza, le conatus, qu'est-ce que c'est? C'est cette façon de résister, d'être soi.
Le conatus, c'est le désir. C'est cette intention qu'on ne sait pas mettre dans les machines. On ne fera encore une fois que de la simulation. Et pourtant, cette illusion de robots humanoïdes nous ressemblant, doués d'émotions, vous disant « je vous aime, vous êtes formidable », est un vrai souci. Et j'alerte ici, mesdames et messieurs, votre conscience pour aller voir un peu plus loin si Dieu est là ou les hommes ne se prennent pas pour Dieu. Je finirai par ceci. Il est aussi extrêmement important que nous anthropomorphisons ces machines, nous leur prêtons des capacités humaines alors qu'elles n'en ont pas, et que 80% des personnes qui codent les algorithmes à l'heure actuelle ou qui codent les programmes dans ces machines sont des hommes. Or, 80% des systèmes que l'on crée ont des prénoms féminins. Alexa, Sophia, et j'en passe. Voir des corps féminins, avec des loup-boutins peut-être, voir des images très sexy, et qu'est-ce qu'on en fait? On en fait des assistants, serviles, robots émotionnels, et donc j'insiste, on peut même les éteindre. J'insiste sur cette importance de comprendre la représentation que nous sommes en train de faire de l'homme à travers les machines. Ne jouons pas aux apprentis sorciers. Monsieur l'avocat général, vous avez la parole. Dieu ne veut pas que le micro marche, évidemment. On le prête partout, il est partout, je vous le dis. A cappella, peut-être, si vous êtes prof. Votre expérience d'un esprit artificiel porté par une machine vous inspire-t-elle quelque chose sur la survivance du cerveau après que le corps est mort? Alors, c'est exactement le courant transhumaniste. Bon, je crois qu'il y a une chose qu'il va falloir comprendre tout de suite. Nous ne sommes pas immortels. Et même les transhumanistes vous proposent 1000 ans. Et si vous proposez 1000 ans à tout le monde, j'avoue, j'avais fait une séance comme ça à Sciences Po et j'avais une jeune fille dans l'assistance qui m'avait posé cette question. Alors, si tout le monde vit 1000 ans, vous êtes donc pour l'avortement ? Sachez, monsieur, que pour l'instant, on ne détracera pas Jeanne Calment. Et que, d'autre part, la recopie du cerveau vous amènerait à quoi? À quelque chose de rationnel, sans aucune émotion, plus de corps, plus de toucher, plus de passibilité, c'est-à-dire de ressenti intérieur, et donc une vie pleine d'ennuis. La Défense a une question. Vous avez dit, je crois, madame, j'aimerais dans 30 ou 40 ans avoir chez moi un robot qui ait le sens de l'humour. Alors, c'est exact. Mon client a une question parce qu'il peut quand même beaucoup. Et donc, il demande si vous voulez changer de mari. Bon, je ne répondrai pas à cette question. Alors, et dans ces cas-là, sur le robot avec le sens de l'humour pourrait peut-être... Alors écoutez, les robots, comme je l'ai dit, sont majoritairement féminins. Or, cet été, on m'a posé la question, puisqu'il y a Harmony est un fabricant de robots aux États-Unis, à Palo Alto, je ne sais où, et on m'a interviewé en fait sur Henri. Henri, un robot masculin, sexuel. Alors on peut choisir des tas de choses aussi là-dessus. Bien, alors j'ai demandé, en fait, à la jeune femme qui posait les questions, l'avez-vous testé? Elle m'a dit non. Et par contre, elle essayait de me suggérer que cette machine allait être incroyablement capable de nous faire ressentir des orgasmes terribles. Eh bien, je pense que c'est un vrai souci. On ne maîtrise pas, pour l'instant, l'importance du deep learning, de toutes ces techniques. Elles se sont beaucoup plus précises que nous, beaucoup plus affûtées, elles pourront détecter nos émotions bien mieux que vous. Je prends l'exemple de mon oreille, je n'entends pas les basses fréquences, je n'entends pas les hautes fréquences, la machine entend tout. Si je regarde ce qu'elle sait faire sur des organes qu'elle détecte dans des radios, elle reconnaît mieux qu'un médecin. Sur certaines tâches très précises, la machine sera meilleure. Alors pourquoi pas sur certains plaisirs ?
Vous êtes témoin. Alors, puisque Pascal nous fait défaut, là, je ne sais pas où il est parti. Dieu l'a appelé, peut-être. Je vous présente mon ami et mon condisciple que je revois 40 ans après. Hein. Nous étions à l'école normale supérieure ensemble, Marc Lachaiseré, le plus grand astrophysicien que nous comptons aujourd'hui. Mesdames, messieurs, c'est un honneur, c'est un plaisir de me retrouver dans ce lieu qui est pour moi très inhabituel. Et j'ai donc cet honneur de représenter la science, c'est comme cela que je le sens, et représenter le témoignage de la science sur ce procès qui est fait à Dieu. Et je dois dire que je suis assez mal à l'aise, puisque, bien entendu, parmi mes collègues, je vais trouver quelques-uns qui sont du côté de l'accusation et d'autres qui sont du côté de la défense. Donc j'aurais du mal à assumer une position bien définie. C'est-à-dire, certains vont accuser Dieu d'exister, d'autres vont l'accuser de ne pas exister. Donc quel est le procès que l'on désire vraiment faire aujourd'hui? Je n'en sais rien, mais ça ne va pas m'empêcher de témoigner. De témoigner en tant que scientifique, normalement je devrais savoir. Vous devriez tous savoir ce qu'est la science. Elle est difficile à définir. Comme vous savez, elle n'a pas toujours existé. Certains font remonter la science à la civilisation grecque. Bon, moi, je dirais plutôt que c'est un début de démarche pré-scientifique. La science moderne étant née avec Newton après la Renaissance. Et c'est très intéressant de voir que cette naissance de la science moderne, précédée par la Renaissance, s'accompagne d'un mouvement qui voit une séparation entre, finalement, la réflexion à propos de l'existence de Dieu et à propos de ce qui est matériel. C'est-à-dire que la science, d'une certaine manière, est née en se séparant de la religion et de la théologie, bien que, paradoxalement, la science soit née par des fervents religieux et non seulement des pratiquants, mais souvent des officiants. Et ça a duré pendant quelques siècles et presque jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, parmi mes collègues, je vous l'ai déjà dit, je vais trouver à un extrême quelques-uns qui vont repousser absolument l'existence de Dieu, en tout cas repousser toute allusion à Dieu dans la science, et d'autres qui vont avoir une tendance vers ce qu'on appelle le concordisme, c'est-à-dire de voir dans la science des signes de l'existence de Dieu, ou bien d'avoir une procédure qui est tout à fait critiquable, je pense, vis-à-vis des exigences de la méthode scientifique, qui vont avoir tendance à justifier telle ou telle théorie, telle ou telle prise de position en faisant allusion à l'existence de Dieu. Donc il y a un consensus quand même, je crois, chez les épistémologues et chez les philosophes des sciences, de dire que la pratique de la science ne doit pas faire allusion à Dieu. Elle est autonome. Ça ne veut pas du tout dire, bien entendu, qu'il y doit y avoir une opposition entre la religion et la science, mais que ces deux disciplines, ces deux manières de penser ne doivent pas trop, disons, fricoter ensemble. Comment procède la science? La science procède en essayant d'énoncer des lois qui gouvernent le monde matériel. Et nous avons beau faire, nous n'échappons pas à ces lois, nous-mêmes, ni ce que nous construisons. Et lorsque nous construisons des dispositifs extrêmement sophistiqués, que ce soit des véhicules, que ce soit des ordinateurs, que ce soit de l'intelligence artificielle, etc., eh bien, chaque fois, nous construisons ceci en obéissant aux lois de la physique et en cherchant à obéir à ces lois. Et nous-mêmes, bien entendu, nous obéissons à ces lois. Nous obéissons, par exemple, aux lois de la gravité qui font que, malheureusement, nous avons un poids qui nous empêche de virevolter dans les airs. Donc nous sommes sensibles à ces lois, nous leur obéissons, même si, bien entendu, nous ne saurions complètement réduire notre activité, expliquer notre activité
par l'application de ces lois physiques. Ces lois physiques permettent de comprendre, d'expliquer et de prédire certains phénomènes, mais il faut bien se rendre compte que les phénomènes qui sont explicables et prédictibles sont une très petite proportion, bien entendu, de tout ce qui nous arrive. Pouvons-nous échapper aux lois de la physique ? Non. Le seul qui peut échapper aux lois de la physique, c'est Dieu, précisément. Et c'est la définition de ce qu'on appelle un miracle. Parce qu'un miracle, c'est très exactement un acte qui échappe aux lois de la physique, qui est inexplicable, qui est contradictoire aux lois de la physique. Donc, dans ce sens-là, si l'on veut établir une condamnation pour avoir enfreint la loi, le seul qui puisse enfreindre la loi et qui l'enfreint véritablement si les miracles existent, c'est Dieu. Donc, à cet égard-là, certainement, il doit être coupable. Mais comment intervient-il dans le monde ? Eh bien, ceux qui l'invoquent souvent nous disent « il a créé le monde, il a créé le monde, il est responsable du monde ». Et ces lois qui expriment un certain ordre, une certaine harmonie dans le monde, parce que le monde n'est pas complètement aléatoire, n'est pas complètement chaotique, l'existence de ces lois que les physiciens ont découvertes exprime donc cet ordre, cette harmonie. Qui en est responsable ? Certains vont vouloir l'imputer à Dieu précisément, et donc à ce moment-là, devons-nous glorifier Dieu parce que ses lois sont extraordinaires et ce monde est magnifique, ou au contraire, devons-nous le condamner parce que ce monde est horrible et rempli d'injustice ? Je crois que cette question dépasse évidemment le champ de la physique, de l'astrophysique et de la cosmologie. Mais certains ont eu une autre position, qui est de dire que finalement, le monde est ce qu'il est, mais qu'il pourrait être autrement. Et si certains vont vouloir nous dire que Dieu a créé le meilleur des mondes, d'autres qui vont nous dire que Dieu a créé le seul monde possible, c'est-à-dire que si vous voulez créer un monde, il n'y a pas d'autre moyen que de créer ce monde-ci. Il n'y a pas d'intrication des lois qui, d'un point de vue logique, puissent fonctionner autrement. C'est-à-dire, si vous voulez créer un monde, la seule manière de le faire, c'est de créer le monde qui existe ici. Le meilleur des mondes, comme disait Leibniz, mais en tout cas, le seul monde possible d'une manière logique. Et puis, il y a ceux qui disent que Dieu a créé finalement tous les mondes possibles, des tas de mondes possibles, des autres univers. Et vous savez qu'actuellement, parmi les physiciens, parmi les cosmologues, certains n'hésitent pas à évoquer d'autres univers. Alors ça prend des sens très différents chez les uns et chez les autres. Il y a beaucoup de contresens, parce que certains, par exemple, font allusion aux autres univers de la physique quantique, alors que cet univers, même quand on parle des autres univers de la physique quantique, c'est un terme consacré qui fait allusion à un univers qui, bien qu'étant extrêmement contre-intuitif et ayant des aspects multiples, est tout à fait un univers unique. Donc, les univers multiples de la physique quantique ne sont pas des autres univers, comme certains voudraient le croire ou le faire croire. Et certains évoquent également d'autres univers qui seraient ailleurs dans l'espace, ailleurs dans le temps, qui ne pourraient pas communiquer avec le nôtre. Mais dans ce cas-là, je pense qu'ils sortent totalement du champ de la physique, puisque le principe même de la physique, le principe même de la science, c'est de pouvoir expérimenter, de pouvoir observer, de pouvoir tester nos théories en les confrontant à l'expérience et à l'observation. Et si on fait allusion à d'autres mondes avec lesquels on ne peut pas communiquer, avec lesquels on ne peut pas interagir, bien entendu, ils ne relèvent pas de la physique. C'est donc, finalement, pour conclure, une sorte, malheureusement, d'aveu d'impuissance que je serais obligé de proférer, parce que on a beau chercher, les scientifiques, on ne voit pas Dieu. On a cru pendant des siècles que Dieu était dans le ciel, peut-être un 7e échelon ou un 8e ou un 12e échelon. Bon, on ne l'a pas trouvé, donc il n'est pas là. On ne sait pas comment l'invoquer dans la science. Et je crois que ce qui fait que la science fonctionne, c'est qu'elle ne prend pas parti sur l'existence de Dieu. C'est qu'elle ne se mêle pas des histoires de Dieu. Elle ne se mêle pas de l'accuser ou de le défendre. Et donc, je le regrette beaucoup à votre égard, mais ce sera ma position aujourd'hui de ne témoigner ni en faveur ni en défaveur de l'accusé. Je vous remercie.
Monsieur le professeur, une question, une seule. Vous êtes un scientifique. Est-ce que l'étude, j'allais dire de la science, vous fait conclure qu'il existe un ordre ou que le hasard domine ? C'est une excellente question, bien entendu, à laquelle les philosophes, les épistémologues, les scientifiques eux-mêmes essayent de répondre de toutes les manières. Et on peut répondre effectivement en disant le fait que nous ayons trouvé des lois qui fonctionnent, les lois de la gravitation, les lois de l'électromagnétisme, de la physique quantique, de la relativité, on peut considérer que c'est la manifestation d'un ordre, mais on peut aussi considérer qu'il y a un très grand désordre et que nous, grâce à notre capacité, grâce à notre manière d'y voir clair et de démêler les choses, nous avons réussi à trouver un ordre, à trouver des lois là où il n'y en a pas. Donc, je crois que nous, les scientifiques, nous essayons de ne pas prendre position sur cette question. À titre personnel, bon, je suis bien obligé de reconnaître qu'il y a un ordre là derrière, parce que je ne pense pas que ces lois manifestent autre chose qu'un ordre qui existe en soi, qui est présent dans le monde. D'où vient cet ordre ? Est-ce qu'il y a un Dieu qui en est responsable ? Ou est-ce que tout simplement il ne faut pas appeler Dieu cet ordre lui-même ? Ça nous rappelle un peu Spinoza, peut-être. Voilà la question. Et la question rebondit en se demandant qu'est-ce que nous devons appeler Dieu ? Est-ce que Dieu, c'est autre chose que cette nature qui nous environne et dans laquelle nous sommes baignés, avec laquelle nous interagissons sans arrêt ? Et dans ce cas-là, je crois qu'il n'y a pas lieu ni de l'accuser ni de la défendre, parce que son rôle est neutre, et finalement, c'est nous-mêmes que nous devons accuser ou défendre, et c'est nous-mêmes qui devons donner un sens à notre présence dans ce monde. Pardonnez-moi, je n'ai pas demandé si l'ordre doit être nommé Dieu. J'ai demandé simplement si tout ce qui est visible dans l'univers définit un ordre ou vient d'un ordre ou que l'on peut considérer que c'est du pur hasard. Alors, c'est la seule question. Il faudrait aussi définir le hasard qui est quelque chose de très compliqué. Mais Un exemple. Est-ce que j'ai un œil sous la plante des pieds ? Ce serait du hasard. Non, vous n'avez pas d'œil sous la plante des pieds. Et pourquoi ? Enfin, je n'ai pas vérifié. Mais pourquoi ? Parce que, si vous voulez, nous avons précisément compris ces lois de l'évolution. Ces lois de l'évolution qui vont gouverner la manière dont l'organisme se construit et se construit génération après l'autre. Et finalement, comment les cellules, par leur position, vont évoluer de telle ou telle manière, et si la cellule est placée sur la plante des pieds, elle ne va pas conduire à la formation d'un œil. Donc, ce sont toujours ces lois qui sont là. Alors, ce que vous me demandez, c'est si ces lois manifestent un ordre qui est présent indépendamment d'elles, ou si c'est quelque chose que nous imprimons sur une réalité qui serait complètement chaotique. Je n'arriverai pas à comprendre que si l'univers est complètement chaotique et désordonné, on puisse y trouver des lois. Donc, pour répondre à votre question, c'est qu'il y a un ordre, il y a quelque chose. Mais qui est responsable de cet ordre ? Je ne le sais pas. Nous avions droit à deux questions, une chacun, il en a posé deux. C'est souvent comme ça quand on est du côté des réquisitions. Alors, mais j'ai la parole en dernier, il m'interrompt d'ailleurs. Moi, vous connaissez forcément la phrase de Pascal, un peu de science éloigne de Dieu, beaucoup en rapproche. Je voulais vous dire de la part de mon client qu'il vous trouve en bonne voie. Ah, très bien. Dans quel sens ? Dans quel sens ? Bon, oui, je connais bien sûr cette phrase, j'y ai beaucoup réfléchi, mais je la récuse. C'est-à-dire que je crois que
la manière dont on faisait de la science à l'époque de Pascal, qui n'était pas encore la science aussi bien formalisée qu'elle l'est aujourd'hui, c'est-à-dire ce que l'on appelle la méthode scientifique n'était pas encore tout à fait au point. Donc la méthode avec laquelle on faisait de la science à cette époque n'est pas la même qu'aujourd'hui. Et sur cette question, est-ce que faire de la science rapproche ou éloigne de Dieu, je pense... Bon, je pense que de toute manière, ça dépend des scientifiques, mais je pense globalement que c'est ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire que si vous faites de la science correctement, je sais, j'ai lu toutes les questions, c'est très mal vu, mais je pense honnêtement que quand vous faites de la science, vous vous intéressez à essayer de décrypter ces lois, et croyez-moi, c'est très accaparant et c'est absolument passionnant, mais vous ne pouvez pas utiliser l'information que vous avez acquise au cours de cette exploration pour plaider en faveur du fait que ces lois soient ou non la manifestation d'un dieu quelque part. Donc je prétends que faire de la science, ça ne rapproche ni n'éloigne de Dieu. Et puisque je suis un scientifique, j'ai toujours tendance à essayer de corroborer ce que je dis par des observations ou des expériences. Et quand je regarde mes collègues, je vois que c'est à peu près ce qui se passe. Merci. Bien, chers amis, maintenant que vos neurones sont acérés et que vous bouillonnez de réflexions et d'interrogations, le procès, dans sa singularité, va commencer. Mais qui dit procès dit juge, qui dit juge dit jury. Et pour juger Dieu, il m'a fallu naviguer aux confins de l'univers pour recueillir les êtres les plus exceptionnels. Certains étaient retenus par Dieu, qui de sa main toute puissante les a empêchés, mais les plus belles étoiles sont malgré tout arrivées sur Terre. Et donc, je vais présenter les membres de ce grand jury exceptionnel. Je commencerai par Madame, ma très chère Monique Cantos-Perber, qui est philosophe, ancienne directrice de l'École normale supérieure, qui est une femme d'une intelligence exquise et que j'ai le bonheur aussi de considérer comme une amie et qui m'a fait l'honneur de venir ici ce soir. Je présenterai ensuite Madame Anna Bosman, qui est l'ambassadeur du Ghana en France, qui est une dame exceptionnelle, que j'ai eu le bonheur de rencontrer il y a peu, et j'allais dire dont l'émotion et la vision sur l'Afrique, mais je dirais même sur le monde, m'a totalement ébaudi, et qui nous fait l'honneur ce soir de nous réjouir de sa présence. Alors je présente ensuite Aude de Toin, qui est une grande amie, qui est la fondatrice de Women in Africa, qui est une initiative qui aide les femmes africaines, mais pas que avec des Africains, mais avec des gens du monde entier, parce qu'elle pense, je dirais même parce qu'elle sait, que l'avenir est en Afrique, et l'avenir, en tout cas, est dans les femmes. Et donc, je la remercie de m'avoir fait l'amitié de venir ce soir. Alors je présente ensuite, j'ai parlé de lui tout à l'heure, monsieur le bâtonnier Eli El Kaïm, qui est président de la Conférence internationale des barreaux, qui regroupe tous les barreaux juridiques au monde, et qui donc est une véritable institution, et qui est aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, est un grand ami, et qui vient depuis la Suisse, juste pour voir Dieu condamné ou acquitté, je l'ignore, mais qui en tout cas nous fait le grand bonheur d'être avec nous ce soir. Alors, je vous présente aussi Maître Joe Vigali, qui est le président de l'Observatoire panafricain de la démocratie, également accessoirement mon père, mais vous savez, c'est l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas de mon ressort, je n'ai pas demandé à être son fils, il n'a pas demandé à être mon père. Il le voit comme une générosité d'avoir un fils comme moi. Je vois comme un devoir le fait d'avoir un père pareil.
et qui est aussi qui a étudié la théologie il y a de longues années et un ancien ministre des droits de l'homme du Togo et qui est arrivé ce matin avec de beaux prix que vous verrez tout à l'heure parce qu'il a raté son avion hier. Dieu ou le diable y a essayé, mais la providence veille. Et je vais conclure par, j'aimerais dire un merci spécial au père qui est le père abbé du monastère de Ligugé, Saint-Martin de Ligugé, sont des bénédictins, qui est le plus vieil monastère d'Occident, qui date du 4e siècle, qui est un ami de notre famille depuis, je n'étais pas né, voilà, qui est un... je parle très sérieusement. Mon père va se recueillir là-bas depuis près de 40 ans. Moi-même, j'y vais régulièrement faire des séjours initiatiques et pas que. Et c'est quelqu'un qui, en l'invitant, je ne pensais pas qu'il viendrait. Mais je pense que c'est une chance pour moi, une chance pour nous tous d'avoir un moine, un père abbé qui est quelqu'un d'une spiritualité transcendantale. Donc un grand merci pour lui. Enfin, monsieur, c'était pas le meilleur pour la fin, c'est Dieu pour la fin, garde le meilleur. Alors, le président de notre grand jury, qui est le président de l'Institut Pasteur, et j'allais dire, pas parce que c'est le président de l'Institut Pasteur, mais parce que j'ai déjà eu le bonheur d'échanger avec lui, quelqu'un de remarquable. Il m'a reçu à l'Institut Pasteur la semaine dernière. Nous avons eu des échanges formidables. Nous nous sommes aimés, en tout cas moi je l'ai aimé, et, enfin au sens intellectuel du terme, et qui donc prononcera le discours de clôture tout à l'heure. Et j'allais dire, je trouve ça formidable que pour un procès de Dieu, ce soit le président d'une institution comme l'Institut Pasteur, qui est un institut mondial, connu pour la science et aussi pour la personnalité exceptionnelle de pasteur que monsieur le président m'a compté la semaine dernière, et monsieur le président qui est aussi ancien président de section du Conseil d'État, monsieur le président qui est également dans les archives déclassifiées pour le Rwanda, monsieur le président qui est sans doute le président de beaucoup de choses et que je ne pourrais pas te dire ce soir, mais qui ce soir en tout cas est le président du grand jury et celui qui décidera. Donc si certains veulent avoir des faveurs pour l'éternel au-delà de Bertrand Perrier, c'est Christian Vigouroux, puisque c'est lui qui rendra la sanction. Et donc nous fera savoir, au fond, est-ce que Dieu existe, s'il existe, est-ce qu'il est condamné, est-ce qu'il est acquitté. En tout cas, il nous trouvera une solution merveilleuse. Donc un tonnerre d'applaudissements pour le président du grand jury. Alors, chers amis, chers mortels, il est temps maintenant de commencer cette initiation douloureuse. Et monsieur le bâtonnier Christian Cherbounazel va prendre la parole dans quelques instants. Et j'aimerais, de façon très brève, rappeler le sens de ce festival d'éloquence, le choc des légendes que j'ai créé. J'ai créé ce festival pour deux raisons, l'une allant peut-être dans l'autre. Je l'ai d'abord créé pour qu'il soit un lieu d'échange, décomplexé, sur les questions existentielles de nos sociétés. Des endroits où des avocats, des scientifiques, des journalistes, des politiques, des intellectuels, des gens de tous bords, des hommes d'affaires, puissent venir échanger, discuter, rigoler, peut-être même pleurer, sur des questions fondamentales qui, tôt ou tard, chacun a l'humilité, en tout cas le bonheur de se poser. Je l'ai ensuite créé, mais ensuite, par amour pour le bâtonnier Christian Cherbounazel et le bâtonnier Marc Bonan, qui sont des pères spirituels pour moi, des gens qui ont bouleversé ma vie. Et oncle Christian, c'est comme ça que j'appelle le bâtonnier, et oncle Marc, qui a été retenu par Dieu, c'est toi qui m'as donné envie de devenir avocat. Et tu as marqué ma vie. Tu es, et je le pense, l'avocat le plus humaniste qui m'ait été donné de rencontrer. Quelqu'un avec un sens de la liberté, un sens de l'amour, un sens de la générosité. Pour moi, tu es comme un père. Tu as toujours été là pour moi. Tu as toujours été là pour nous. Et j'aimerais rappeler ça ce soir. J'en profite aussi pour saluer, en parlant de père, la présence de M. le ministre Gilbert Bawara, qui a fait le déplacement
depuis le Togo en passant par l'Europe, pour venir assister à ce festival ce soir, et qui est une personne, un grand ami de notre famille, qui a toujours été là, qui a toujours été présent, et qui nous fait également l'honneur de sa présence ce soir. Et j'aimerais lui dire merci tonton, merci pour tout. Je finirai en disant, Dieu a préféré être défendu par une femme. Et je pense que c'est d'une grande lucidité. Et j'aimerais faire un merci tout à fait singulier à Maître Solange Doumic, qui a accepté, malgré l'impératif professionnel du bateau de Marc Bonan il y a quelques jours, de venir bravement, traversant les étoiles, sans doute aidé par le souffle de Dieu, de venir aider, en tout cas de venir plaider pour défendre Dieu. Donc je vais maintenant laisser et je vous demande votre plus grande attention, parce que je pense que vous allez vivre un moment phénoménal, hors du temps. Je laisse la parole au bâtonnier Christian Cher-Bounazel, oncle Marc. Oncle Christian, oncle Christian! Merci, monsieur l'avocat général. Ne soyez pas trop rude envers Dieu, il nous regarde. Monsieur le Président, mesdames et messieurs les membres du jury, mesdames et messieurs, chers confrères, honorables invités, messieurs les professeurs, madame le professeur, madame l'honorable parlementaire, je voudrais, au début de ce réquisitoire, vous parler de moi. Si je suis ce soir avocat général, c'est parce que je ne suis mandaté par personne, par moi. Il est bien naturel que, alors qu'aucune institution, ni divine, ni républicaine, ne m'a investi d'un mandat, je décide de m'investir moi-même de ces fonctions de réquisitoire envers Dieu. Et c'est bien naturel. Le minuscule petit microbe que je suis, éphémère, sur ce grain de sable que nous appelons la Terre, opposé dans la petitesse de son infinitude minuscule à l'infini, me plaît. Il n'y a ce soir que Dieu et moi. J'ai bien cherché à le joindre. Impossible de le citer où que ce soit. Je n'ai trouvé aucune adresse connue et c'est donc une contumace. Nous allons requérir quelqu'un qui n'est pas présent. Je ne demanderai pas à son avocate remarquable, heureusement elle est là, de me montrer son mandat ad litem. Et nous allons quand même instruire ce procès. Certes, j'ai vu des écrits, car mains mandataires prétendues ont produit des textes, se disant à l'écoute de ce qu'il leur a dit lui-même. Et tous ces successifs ambassadeurs de Dieu, Bouddha, Akhenaton, Moshe, Jésus, Mahomet, bref, personne n'a encore été témoin des échanges entre Dieu et ses hommes. Nous allons donc provisoirement les laisser de côté. Mais je voudrais commencer par une première affirmation importante, sinon je ne serais pas là. Dieu est. Comment est-il ? De quelle manière l'appréhender, puisque, encore une fois, il est absent ? Il est à la fois insaisissable et absent. Insaisissable. Je vous rappelle Montaigne. Qu'est-il plus vain que de vouloir
deviner Dieu par nos analogies et conjectures. Le régler et le monde, à notre capacité et à nos lois, nous servir, aux dépens de la divinité, de ce petit échantillon de suffisance qu'il lui a plu départir à notre naturelle condition, et parce que nous ne pouvons étendre notre vue jusque dans son glorieux siège, l'avoir ramené ça bas à notre corruption et à nos misères. Michel Montaigne en pleine guerre de religion. Insaisissable Dieu. Mais Dieu, c'est aussi l'absent. L'absent. Qui fait dire, pardon d'avoir l'air cuistre, mais d'autres ont tellement mieux dit les choses que moi avant moi, Alfred de Vigny, le juste opposera le dédain à l'absence et ne répondra plus que par un froid silence au silence éternel de la divinité. Insaisissable et absent. Seulement, pas irresponsable. Et c'est la raison de ce procès, de ce réquisitoire, qui s'articulera autour de quatre incriminations que je vous dis tout de suite. La première, la désertion. Je l'accuse ensuite de non-assistance à Humanité en danger. Je le poursuis en troisième lieu pour cette omission volontaire et constante de porter secours. Et enfin, pour abandon de famille, je pense particulièrement au petit rabbin de Nazareth dont je reparlerai tout à l'heure. La désertion. Voyons. L'univers est impressionnant. Je parlais de moi tout à l'heure comme un petit atome minuscule de rien du tout, éphémère sur ce grain de sable. Je pense à ces milliards de galaxies comportant des milliards de systèmes solaires, les plus proches à observer ou les dernières à observer tant à des milliards d'années-lumière à 300 000 km/s, bref. Où est-il ? S'occupe-t-il à multiplier, en effet, monsieur le professeur, d'autres univers ailleurs, invisibles ? Se cache-t-il dans les trous noirs ? Cherche-t-il, d'une manière ou d'une autre, à s'occuper, en effet, Pascal, à jouir autrement, d'on ne sait qui, avec le sentiment que les milliards d'êtres que nous sommes sont un peu seuls, malgré cet extraordinaire ordre qui fait que nous ne pouvons pas penser que c'est le hasard à qui nous devons le spectacle de l'univers et la perception de nos propres vies. Voyons, qu'est-ce que je sais de mon corps ? Rien. Est-ce que je peux exprimer pourquoi je bouge ce doigt ? Quels sont les mécanismes qui font que je le bouge ? Rien. Est-ce que je suis capable de dire comment fonctionne mon cerveau, pourquoi je m'endors, pourquoi je m'éveille ? Et si les savants, en effet, petit à petit, conquièrent une connaissance toujours plus importante des lois de la nature, j'en appelle à Poincaré, pas l'avocat, l'autre, le savant, qui disait cette chose que je trouve admirable, parce que c'est beaucoup mieux que les Grecs disant « ce que je sais le mieux, c'est que je ne sais rien ».
Il disait « Plus le cercle de nos connaissances s'élargit et plus se multiplient nos points de contact avec l'inconnu. » Ce qui est une image géométrique parfaite. Et donc, nous sommes dans cet état où nous ne pouvons pas nier l'ordre du monde. Ces lois qui, effectivement, font que rien ne peut être apparenté au hasard, puisque petit à petit, on découvre toujours un peu plus, et que cet ordre appartient à l'absent, vient de lui, et qu'il est, à mon avis, beaucoup plus sage d'affirmer qu'il l'est que de prétendre qu'il n'existerait pas. Ce serait beaucoup de prétention. Et du même coup, il déserte. Il déserte, il nous laisse dans une incertitude totale de ce qui cause notre venue au monde, indépendamment de la graine dans l'œuf. Il ne nous dit pas comment il pourrait se passionner pour chacun d'entre nous, c'est-à-dire des milliards de milliards d'êtres humains qui ont une passion extraordinaire d'avoir une relation avec lui. Chacun de nous veut être le seul, l'essentiel, ou s'il partage avec d'autres ce désir d'être aimé et d'aimer Dieu, il sait très bien que tout ça va finir d'une manière tragique dans la tombe ou à l'air libre, dans la corruption de la chair, le pourrissement. Sans qu'aucune preuve n'ait jamais pu être apportée une seule fois de ce que l'esprit survivrait d'une manière ou d'une autre, je n'entends point parler les morts, ils sont muets, le déserteur. Et c'est cette première accusation que je vous demande, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, de sanctionner, et je suggérerai tout à l'heure les peines qui me paraissent pouvoir être appliquées. En deuxième lieu, je vous ai dit, non-assistance à humanité en danger. Alors, on va faire une distinction. L'humanité connaît des dangers qu'elle ne peut que s'imputer à elle-même. Je ne vais pas ici faire un long développement sur l'écologie, sur les combustibles à effet de serre, tout ce que vous voulez. Il y a tous ces actes que l'homme accomplit et qui sont de son fait. Mais enfin, l'être humain est innocent de la peste, de la lèpre, de l'Ebola, du sida. Pour en citer des centaines d'autres, je m'arrête à celle-là. Ça n'est pas l'homme qui a choisi la lèpre, qui a choisi la peste, l'Ebola ou le sida. Tout cela lui est imposé dans une création, si Dieu est, qui est son œuvre. Mais il y a pire. Il y a bien pire. L'humanité fait partie depuis l'origine de la chaîne alimentaire. Elle s'en est dégagée. Mais rappelez-vous Diderot, dans la nature, c'est le neveu de Rameau qui dit cela, toutes les espèces se dévorent. Et il ajoute les conditions aussi dans la société. L'homme est un loup pour l'homme, disaient les Latins. Mais après tout, imaginons que l'homme soit méchant, alors que Dieu le voudrait bon. Mais ce n'est pas du tout l'exemple que donne la création. Si vous avez la curiosité ou le goût de regarder National Geographic Wild, ce sont des films superbes, mais vous ne voyez que des fauves, des tigres, des requins, des crocodiles avec des mâchoires énormes, des dents épouvantables, des dentitions effroyables, qu'ils ne se sont pas créés à eux-mêmes. L'animal est innocent. Il est né comme ça. Si l'homme ensuite parfait un peu la chose atroce en utilisant des instruments, en étant un peu plus cruel, c'est autre chose. Et là, je parle de Dieu. Je parle de
plus que la non-assistance à l'humanité en danger, je parle de l'incitation à la violence, l'incitation à l'anthropophagie. Les animaux se dévorant eux-mêmes, le lion, le tigre, sautant sur l'antilope qui ne demande qu'à vivre et qui s'en va et qui est bien consciente du péril qu'elle court. C'est la deuxième incrimination. Dieu laisse souffrir sa création. Il la crée même dans des conditions telles qu'elle ne peut survivre qu'en se dévorant elle-même. Et ce défaut de bonté, ou plutôt cette méchanceté visible, constitue mon deuxième chef d'incrimination. J'en viens au troisième. L'omission volontaire de porter secours. Alors là, nous sommes en face peut-être de ce qu'il y a de plus terrible. Voyons. Mettons que l'homme se soit rendu mauvais tout seul. Sans le concours même du diable, madame, quelle que soit l'estime que j'ai pour vous. Et tout de même, il est Dieu tout-puissant. On le voit, encore une fois, à sa création. Et alors, il n'intervient pas quand l'homme devient pour l'homme une horreur. Je prends quelques exemples. Parce que les hommes, l'espèce humaine, est passée du désir au délire. Je veux parler de la soif de Dieu au religieux. Parce que le religieux est souvent un délire. Pardon, mon père. Dieu n'intervient pas. Voyons, protestants et catholiques s'étripent au nom du même Jésus. Dieu ne bouge pas. Chiites et sunnites se font des guerres atroces au nom du même Allah. Dieu ne bouge pas. Et pourtant, pardon mon père, si je me réfère à l'évangile dans lequel l'admirable petit rabbin de Nazareth que nous appelons Jésus, Yoshua, qui est un génie humaniste, dit à ses disciples, « Si votre fils vous demande un pain, lui donnerez-vous une pierre ? S'il vous demande un poisson, lui donnerez-vous un serpent ou un scorpion ?» Ça dépend des traductions. « Alors si vous, tout méchant que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est dans les cieux, donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui l'en prient ?» Votre Père qui est dans les cieux. Voyons, je suis mauvais, le Christ le dit, il a raison, je ne suis pas un bon père, mais je suis un père quand même. Et il est un père bien meilleur, dit le Christ. Et si je vois deux de mes fils en train de s'arracher les yeux, ou de se couper les mains au nom d'une charia quelconque, je ne vais pas intervenir ? Sous prétexte de liberté, ça n'a pas de sens. Vous serez d'accord avec moi que ça n'a pas de sens. Et par conséquent, cette autre incrimination résistera à la défense malgré son talent. Et je pense évidemment, encore plus qu'aux querelles religieuses ou aux combats que se livrent ensemble des familles, des tribus, je pense aux crimes contre l'humanité, l'esclavage, les génocides, la Shoah. Je me rappelle cette femme qui avait réchappé de l'extermination et qui disait à son fils « Je croirai en Dieu quand il m'aura demandé pardon pour Auschwitz. » Et par conséquent, je pense que cette omission volontaire de porter secours est constituée et elle se double en plus de quelque chose qui est terrible parce que ça échappe aux hommes. Dans les génocides, la Shoah, l'esclavage, l'homme agit, Dieu n'intervient pas.
Mais il y a aussi tout ce que la nature qu'il a créé nous fait subir et dans lesquels il n'intervient pas. Je pense aux éruptions volcaniques, aux tremblements de terre, aux raz de marée. Que peuvent les gens du Bangladesh ou ceux qui sont pris dans des tremblements de terre alors que Dieu y est, car la création ne s'explique pas autrement, ou du moins l'état de l'univers, avec ses lois et son ordre, Dieu est absent. Vous condamnerez avec sévérité. Et j'en viens maintenant à l'abandon de famille. Et là, je le dis avec d'autant plus de sérieux, qu'il s'agit de Jésus de Nazareth, la religion magnifique qui nous dit qu'il est né d'une mère vierge que Dieu a ensemencé lui-même. Très bien, tout ça est charmant, comme les 40 vierges qui attendent les musulmans au ciel. C'est charmant. Bon. Seulement, lui est certainement l'être humain, du moins à ma connaissance, qui a laissé le plus beau témoignage d'humanisme et de fraternité. La charité au sens du Christ, qu'on appelle la fraternité républicaine quand on essaye de l'imiter, est quelque chose d'admirable. Vous vous rappelez, tous ses actes sont généreux, altruistes. Il empêche qu'on mette à mort la femme adultère et il lui pardonne. Il a le pouvoir de pardonner, selon lui, mais très bien, il lui pardonne. Il désacclimate le jeune homme riche, vous hachez de leur passion de l'argent. Attends, c'est formidable. Il rend honneur aux Samaritains contre les racistes qui le méprisaient parce que c'est le Samaritain qui a aidé le malheureux vagabond qui avait été blessé sur le chemin. Et donc tout ce que Jésus montre est magnifique. Alors je sais bien, le mythe chrétien est superbe. Nous sommes hors le temps, Dieu a tout créé, pas encore la matière, mais tout ce qui est de l'ordre de l'esprit. Lucifer, première créature, à qui, parce qu'il est amour, il donne tout, y compris son intelligence, sa force d'aimer, sa liberté, sauf le pouvoir de créer. Et il dit à Lucifer, homme libre, ange libre, m'aimes-tu, je t'aime. Et Lucifer répond, non. Et le nom de Lucifer est quelque chose qu'on ne peut pas s'imaginer dans le mythe chrétien. C'est les galaxies qui s'entrechoquent, ne sont rien à côté. Et à partir de cet instant, je parle dans le temps, Lucifer va infecter la création. Lucifer va se servir de ces malheureux êtres faibles que sont les êtres humains pour les pousser au mal. Et hors le temps, Dieu lui dit « Arrête de les tourmenter. »« Ah, moi, je les tourmente, ils sont libres, tu les as fait libres comme moi. » Non, arrête. Tu sais très bien que tu es le séducteur, le trompeur, le menteur. Arrête de les séduire. « Ah non, moi, je ne vois pas pourquoi. Je te les rachète. » À quel prix ? Moi, à ta place, je m'incarne et tu vas pouvoir t'acharner sur moi. Je porterai toutes les souffrances, tous les péchés du monde. Je te les rachète. Ça m'intéresse, dit Lucifer. Et c'est le mythe chrétien admirable. Mais ce n'est quand même qu'un mythe. Parce qu'à la fin, lorsque Jésus, qui est tout de même fait de sang et de chair, arrêté, condamné à mort par les Romains, torturé par les Romains, crucifié sur la croix romaine, transpercé par la lance romaine, meurt sur la croix, dit un dernier mot. Eli, Eli, lama sabachthani, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ? Père, Père, ou Dieu, Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Et c'est donc un abandon de famille. Et c'est donc l'abandon de famille le pire, puisque c'était le meilleur des fils et qui avait laissé le plus grand héritage humaniste à l'humanité. J'en ai donc presque terminé, mais je veux quand même ne pas vous donner l'impression que je cède à une colère irréfléchie, certainement pas à l'athéisme, je l'ai montré, et que,
avec toute la modestie et l'humilité qui sont les miennes, qui se sentent. Je veux rendre hommage aussi à tous les grands résignés. Vous avez d'abord Baudelaire. Soyez béni, mon Dieu, qui donnez la souffrance comme un divin remède à nos impuretés. Vous avez aussi les chants d'espérance, celui de Charles Péguy, qui imagine dans son poème en prose que Dieu s'émerveille de l'espérance. Vous avez aussi des phrases plus sombres, comme celle de Georges Bernanos, qui dit que pour rencontrer l'espérance, il faut être allé au-delà du désespoir, comme au bout de la nuit se lève une nouvelle aurore. Et puis, Hugo, tout ce que tu peux faire en ton humanité, c'est d'observer toujours ce visage sinistre et noir de l'espérance. C'est encore Hugo qui, la veille ou l'avant-veille du 22 mai 85, jour de sa mort, émettra ce dernier vers incroyable, cet affreux soleil noir d'où rayonne la nuit. Mesdames, Messieurs, je pense que notre seule chance de ne pas être totalement désespérés, ce n'est pas de nous dire, de nous répéter que Dieu est, puisqu'encore une fois, il est le grand absent. C'est de nous manifester les uns aux autres l'attention que nous voudrions qu'il nous porte, de nous manifester aux uns aux autres la qualité de l'amour que nous voudrions recevoir de lui, et de faire en sorte que, lorsque viendra le jour de notre mort, nous ayons le soulagement, alors que plus rien ne sera, de nous dire que nous avons aidé, compati, aimé. J'accepte votre approbation, bien sûr, mais je n'ai pas terminé mon réquisitoire. La peine que je sollicite, c'est qu'il soit fait injonction à Dieu de se mettre à ressembler au meilleur d'entre les êtres humains. Merci, monsieur le bâtonnier. Merci, oncle Christian, pour cette grave espérance. Cette grave espérance qui touche et qui rappelle chacun de nous le sens de nos existences, la souffrance et l'espérance. Sans plus attendre, Dieu s'impatientant d'être défendu, d'être acquitté, d'être loué, d'être exalté. Ah oui, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, moi je suis croyant. Je sais, ça n'a pas d'importance particulière, mais je le dis pour toutes les... pour que tout le monde... Je suis croyant, mais je n'ai rien contre les athées. Hein. Je les tolère. Non, ce que je veux dire, c'est qu'on peut avoir, on peut croire en Dieu, tout en ayant cette distance d'autorité avec le réel. Je ne dis pas qu'il faut rire ou insulter Dieu. Je peux comprendre que ça touche des gens. Mais je pense que lorsqu'on aime Dieu, il faut avoir cette belle distance et accepter qu'on puisse se réjouir de certaines belles choses, comme nous le faisons ici, dans une ambiance absolument merveilleuse. Donc, j'appelle Maître Solange Doumic, l'avocat de Dieu, à la barre. Monsieur le Président, mesdames et messieurs les jurés qui sont derrière moi, je tiens tout de suite à préciser quelque chose que monsieur l'avocat général n'a pas soulevé. Au nom de mon client,
mon divin client, il ne croit pas à la réincarnation. Je précise donc, de manière à ce que ce soit acté, je ne suis pas le bâtonnier Marc Bonan. Je voudrais aussi souligner le fait que je vais spontanément renoncer à toute nullité de procédure pour défaut de citation à domicile connu, que je vais également renoncer à la jurisprudence déjà ancienne, tant de la Cour de justice américaine que d'une Cour européenne que d'un tribunal roumain qui, à chaque fois, ont débouté un plaignant contre Dieu en s'appuyant toujours sur le fait qu'il n'avait pas été valablement cité. Au nom de mon client, qui ne m'a pas signé, il est vrai, de mandat ad litem, mais qui, monsieur l'avocat général, est présent dans cette salle. Il est présent, vous le savez, il est là, et il demande à être jugé parce qu'en fait, ce procès, il le comprend. Il y a juste un des chefs d'accusation sur lequel, par respect du droit et de la procédure, je vais tout de suite expliquer pourquoi il doit être acquitté, c'est abandon de famille. Alors, d'abord, abandon de famille, c'est un peu difficile parce que en l'accusant, mon client, vous accusez trois personnes en une seule, vous accusez donc l'abandonné en même temps que l'abandonnant, et ça, ce n'est pas possible. D'ailleurs, je voulais vous dire... Nous ne sommes d'ailleurs pas un avocat ici, mais trois. Et l'abandon de famille étant défini par l'article 227-3 du Code pénal, je vais demander à un de mes confrères, Pauline Delporte, si vous voulez bien m'apporter le texte, parce que je n'ai pas réussi pendant le temps des réquisitions. Merci beaucoup à l'avoir suffisamment grand pour le lire et le recopier. Le fait pour une personne de ne pas exécuter une décision judiciaire, une convention judiciairement homologuée, ou une convention prévue à l'article 229.1 du Code civil lui imposant de verser au profit d'un enfant mineur, d'un descendant, d'un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l'une des obligations familiales prévues par le Code civil, en demeurant plus de 2 mois sans s'acquitter intégralement de cette obligation, est puni de 2 ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Alors là, vous comprenez, merci mon cher confrère, vous comprenez que non, là-dessus, acquittement, je regrette un peu que le niveau du parquet aujourd'hui en France mais ce n'est pas grave, parce que pour le reste des réquisitions, le reste, Dieu lui-même les comprend. Désertion, abandon, non-assistance à humanité en danger, omission volontaire de porter secours, c'est vrai. C'est vrai en fait puisque nous sommes tous nés sans l'avoir voulu, nous n'avons choisi ici ni notre sexe, ni notre race, ni notre pays, ni même à l'origine du moins notre religion. Nous avons été jetés dans l'existence comme on jette un colis sur le quai d'une gare, et puis vas-y, prends le train, débrouille-toi. Alors bien sûr, Dieu comprend qu'on lui en fasse le reproche. Il le comprend, et comme il a choisi un avocat qui, d'ailleurs, a été choisi par l'avocat général... Comme il a choisi un avocat un peu basique, l'avocat un peu basique s'est dit « bon ben voilà ce que je vais dire pour le défendre. 85% des humains dans le monde sont croyants, donc si on est un peu démocrate, ben on est croyant. Le monde entier tourne à partir d'une date de naissance, donc si on est un peu logique, on y accorde une certaine attention. Et puis il y a eu quand même beaucoup de miracles au Moyen-Âge. » Alors, avec ça, je pense que c'est suffisant. Bien sûr, on peut dire beaucoup de choses contre, mais on peut dire aussi beaucoup de choses pour, et comme en pénal, on ne peut condamner que quand on est certain, et puis qu'il faut quand même être prudent, comme l'a très bien rappelé mon petit Séraphin. Donc, quand on doit être prudent, ben, on va se garder de condamner pour rien. Voilà, je me suis dit que je pourrais m'arrêter là. Et là, le problème, c'est que j'ai un client exigeant.
Je lui ai dit, j'ai été commise d'office par le parquet à quelques jours de l'audience. Je ne suis même pas capable de me réincarner dans le bâtonnier Bonnand. Donc, je pourrais arrêter. Il m'a répondu non. J'ai dit quand même, il m'a répondu non. Et comme moi, je crois à la défense, j'ai dit d'accord, je continue. Alors, si on veut effectivement vous suivre, monsieur l'avocat général, il est créateur, donc il est puissant. Il est puissant, donc il est responsable. C'est la première image de Dieu. C'est l'image de Dieu qu'on a eue pendant des millénaires, pendant des siècles. Et c'est l'image de Dieu que je constate, vous avez encore. Et puis il y a la deuxième image de Dieu, il est puissant et il possède. Il possède la création, donc à lui d'intervenir, à lui de changer, à lui de faire que ça aille bien, puisque visiblement aujourd'hui, ça ne va pas si bien. Et c'est là que vous vous trompez, monsieur l'avocat général. C'est là que vos réquisitions superbes, est-elle les mêmes que celle d'une puce dans une boîte d'allumettes qui voit un peu de soleil à travers la fente du haut de la boîte et qui croit, parce qu'elle a vu cette fente de lumière, qu'elle a compris ce qu'était le soleil. Vous êtes une puce, nous sommes tous des puces, et petit à petit, au fur et à mesure du changement et de l'humanité, nous avons compris, grâce à la science, avec la science, que la science nous dirait le comment, qu'elle ne dirait jamais le pourquoi. Et il faut aujourd'hui accepter quelque chose. Il nous faut accepter que Dieu s'est justement retiré du comment. Alors, vous nous avez dit qu'il y avait une omission de porter secours, et j'ai bien vu là l'attaque contre l'Église, les Églises. Parce que oui, effectivement, pourquoi ne pas faire quelque chose? Ceux qui savent, ceux qui sont imprégnés, pourquoi est-ce qu'ils n'agissent pas? Mais là, si on regarde, on voit qu'il y a des léviathans infiniment plus dangereux s'il n'y a pas d'église. Il y a le communisme, le nazisme, l'eugénisme, tous ces ismes qui nous menacent. Il y a aujourd'hui aussi le consumérisme. Il y a tout ça qui nous oppresse, qui nous entoure. Et on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, les églises, l'église, est faite d'autre chose que de gens qui cherchent à nous en protéger. Je rappelle d'ailleurs qu'Hitler, qui a été élu, n'a été élu à la majorité dans aucun canton catholique, quand même. Nous avons des images, nous avons des visages de Dieu, qui sont les visages des saints. Et c'est ça aussi que les églises nous donnent. Bien sûr, il y a autant de contre-exemples dans les églises qu'ailleurs. Il y a autant d'agresseurs chez les prêtres que d'agresseurs chez les instituteurs. Mais il n'y en a pas plus non plus, il ne faut pas inverser les proportions. Et il n'y a aucune église qui nous donne en exemple les contre-exemples. En revanche, nous avons le visage de Dieu dans ceux qui se donnent aux autres. Vient le nazisme. Et la présence de Dieu est dans Elie Wiesel ou Maximilien Kolb. Vient la misère. Et la présence de Dieu est dans Mère Teresa. Vient la lèpre et vient Raoul Folraud. Et qui, nous tous qui sommes là, prêts à accuser Dieu ou à participer en tout cas à son procès, qui de nous tous est prêt à tout lâcher pour aller s'occuper des miséreux, pour aller donner sa vie pour un père de famille en camp de concentration? Qui est prêt à se lever et à partir? Mon client se cache. Il se cache et ce sont ceux qui se réclament de lui qui souvent ne le rencontrent pas. J'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'étais en prison et vous m'avez visité. Alors aujourd'hui, que veut-on faire? Cette humanité-là, au motif qu'on a dit que Dieu était mort, cette humanité-là, on veut la tuer. Alors, on crée des robots. On crée des robots, et madame, vous avez bien dit le danger qu'il y a à en créer. On crée des robots en se disant que on va les créer peut-être avec le sens de l'humour. Moi, à titre personnel, ça m'arrangerait. On va créer des robots qui vont dans les EHPAD, puisque ça va être formidable. Ils vont avoir une capacité relationnelle
Et quand un patient sera malade d'Alzheimer, ce sera formidable. Il y aura le robot à la place de la personne. Comme ce sera stimulant, comme ce sera agréable pour la vieille personne abandonnée qui déjà se sent sur une île déserte que d'être accompagnée par un robot. Ces tests, pourtant, on les a déjà faits. On les a déjà faits au XVIIe siècle. On s'était dit qu'il fallait savoir à tout prix si les bébés qui naissaient parlaient latin, hébreu ou grec. C'est vrai, c'était une grande question. On aurait aimé la résoudre. Alors on a pris des bébés. On en a pris une vingtaine, une trentaine, je ne sais pas. Des bébés sans parents. On les a mis dans une grande salle, dans une nurserie. Ils ont été très bien traités par des nurses qui avaient pour mission de les nourrir, de les laver, de les changer, de les soigner, de ne jamais leur parler. Ils sont tous morts. Ils ne devaient pas être câlinés. Il fallait qu'ils parlent. Aucun n'a pu survivre à l'absence de communication, à l'absence d'amour. Et comme on avait fait ça au 17e, on s'est dit au 20e, après la guerre aux États-Unis, ben oui, mais enfin là, on n'avait pas de robots à l'époque, et puis on ne leur a pas parlé. Alors on va tout changer, on va mettre des robots, et puis on va leur parler. Donc comme on leur parlera, il n'y aura pas de problème, et puis les robots vont les nourrir. Et donc, on a nourri des bébés pareils, des bébés sans parents, des bébés qui n'avaient rien demandé, on les a nourris avec des robots. Et ils sont tous morts, aussi. Alors aujourd'hui, bien sûr, les vieilles personnes dans les EHPAD, quand on les fera câliner par des robots, on pourra dire, ben, elles sont mortes, mais de toute façon, elles allaient mourir, donc ça ne change pas grand-chose. Elles sont mortes un peu plus vite, mais elles sont mortes tellement plus heureuses. Ah ben oui, qu'est-ce qu'on en sait ? Et c'est comme ça qu'on tue la relation. Et c'est aujourd'hui ce qu'on veut faire, et en fait, en voulant faire le procès de Dieu, attention, on fait le procès de l'humanité. On vient vous le dire d'ailleurs, l'enfer, c'est les autres. Moi, je ne risque pas de faire fa, parce qu'à la différence de Monsieur l'avocat général, j'ai beaucoup moins de citations en réserve. Donc, toutes celles que j'ai, je vais les placer. Et donc, l'enfer, c'est les autres. Eh bien donc, illuminons-le, illuminons-les, tuons la relation. Et puis, Dieu est mort, on l'a dit, on l'a déjà dit, et on oublie une seule chose. C'est que c'est vrai qu'il est mort, mais qu'il est ressuscité. D'ailleurs, il entre. Il entre, là, je le vois. Je le vois, merci, vous pouvez prendre place. Il entre, il pousse la porte. Vous vous êtes tous retournés, sauf l'avocat général, parce qu'il connaissait le truc. Alors, monsieur l'avocat général, pour ce qu'il reste de vos réquisitions, je voudrais vous rappeler l'article 122.2 du Code pénal. N'est pas pénalement responsable la personne qui a agi sous l'empire d'une force ou d'une contrainte à laquelle elle n'a pas pu résister. Désertion, non-assistance à humanité en danger. Monsieur l'avocat général, évidemment, vous interviendriez si deux de vos fils s'accrochent les cheveux ou s'arrachent les cheveux, s'arrachent les yeux. Mais vous, vous êtes fort et vous êtes puissant. Et si vous acceptiez une seconde l'idée que lui, de manière tellement mystérieuse, mais c'est là où nous touchons au pourquoi, lui, il a tout donné, il ne lui reste plus rien, alors il ne peut plus. Et nous, avec notre cerveau de puce dans notre boîte d'allumettes, comment est-ce que nous pouvons comprendre qu'un Dieu créateur ne puisse plus ? Parce que nous, nous confondons la puissance et le pouvoir. Nous pensons que si nous pouvons, nous sommes forts. Et plus nous sommes forts, plus nous sommes grands, plus nous agissons. Mais ce n'est pas ça. Vous accusez mon client de n'être pas intervenu alors qu'il est tout puissant. Et moi, je viens ici défendre le client que j'ai rencontré. Et celui que j'ai rencontré, je peux vous le dire, il n'a même pas pu me parler. Il est tout petit. Il est si petit qu'il s'efface. Si petit qu'on le cherche, et que tous les grands amoureux de Dieu sont simplement ceux qui le cherchent, ceux qui ont soif, comme lui, il a eu soif. Où le trouve-t-on, Dieu ? C'est Elie Wiesel, en Caen, qui regarde cet enfant contraint par ses bourreaux, cet enfant martyrisé, et qui entend derrière lui un homme qui parle pour lui. Pour lui-même, et qui dit « Mais où est Dieu ?» Et c'est Elie Wiesel
qui entend dans son cœur « Dieu, c'est cet enfant ». Ça ne force à rien. Ça ne force pas à croire. C'est simplement que c'est là que se trouve Dieu. Le royaume des dieux, c'est l'âme des justes, l'âme de ceux qui l'ont rencontré et qui acceptent leur petitesse, leur finitude, leur souffrance, si souvent sans le nommer. Où est-il Dieu ? Il est dans le vieillard qui tombe au pied de son lit et qui, à cause de son bras cassé, ne peut pas actionner la sonnette. Où est-il Dieu ? Il est dans le regard de cette femme, de cette mère qui pleure son enfant. Où est-il Dieu ? Il est aussi dans ce nouveau-né qui ouvre les yeux, qui ouvre la bouche et qui remplit ses poumons d'air pour crier pour la première fois en découvrant le monde immense dans lequel il va vivre. Où est-il Dieu ? Il est encore dans le regard de celui qui, tout d'un coup, à l'aube, voit se lever le soleil sur les sommets enneigés et la neige se couvrir de rose. Alors, condamner Dieu, vouloir tuer la mort, tuer notre vulnérabilité, tuer nos faibles, nos petits, nos blessés, nos boiteux, c'est nous tuer nous-mêmes. Au lieu de lui reprocher nos blessures, au lieu de lui reprocher ses blessures, trouvons-le au sein même de cette humanité blessée. La science n'a rien à voir avec Dieu. Cela vous a été dit tout à l'heure. Et moi, je voudrais vous citer Eti Hilsum, exterminée à Auschwitz le 30 novembre 1943 à 29 ans. Elle habitait les Pays-Bas. Elle s'est engagée volontairement au camp de transit de Westerbork pour aider ses frères juifs. Et d'une manière incroyable, elle a ce que mon client d'ailleurs ne demande à personne, n'exige de personne, simplement ce qu'il offre. Elle a, au fur et à mesure, découvert au fond d'elle l'existence de celui qu'aujourd'hui je suis censée défendre. Et elle a écrit « La détresse est grande, et pourtant il m'arrive souvent le soir de longer d'un pas souple les barbelés, et toujours, je sens monter de mon cœur la même incantation. La vie est une chose merveilleuse et grande. Nous aurons à construire un monde entièrement nouveau, et à chaque nouvelle exaction, à chaque nouvelle cruauté, nous devrons opposer un petit supplément d'amour et de bonté à conquérir sur nous-mêmes. Je vais t'aider, mon Dieu, à ne pas t'éteindre en moi, mais je ne puis rien garantir d'avance. Une chose cependant m'apparaît de plus en plus claire, ce n'est pas toi qui peux nous aider, mais nous qui pouvons t'aider. Et ce faisant, nous nous aidons nous-mêmes. C'est tout ce que nous pouvons sauver en cette époque et c'est aussi la seule chose qui compte, un peu de toi en nous, mon Dieu. Peut-être pourrons-nous aussi contribuer à te mettre dans les cœurs martyrisés des autres. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les jurés, si vous condamnez Dieu, vous condamnez l'humanité. Et quand on condamne l'humanité, c'est toujours le plus faible et le plus petit que l'on condamne en son sein. Alors aujourd'hui, parce que contrairement à ce que nous croyons, Dieu est le plus petit, et c'est cela, être le meilleur, je vous demande de condamner l'humanité à l'amour.
Tout cela, j'aimerais dire quelque chose sans compléter tout ce qui a été dit, parce que je pense que tout a été dit. Mais je crois que le fond, il est là. Le fond, c'est que nous souffrons tous, pas de la même manière. Certains ont perdu des enfants, certains ont leurs parents qui sont morts, d'autres ont été gravement malades, d'autres ont été violés. Il y a des choses horribles dans ce monde. Il y a eu des choses horribles. Certains d'entre vous ici dans cette salle en ont peut-être vécu. Mais ce qu'il y a de merveilleux aussi, c'est cette résilience heureuse de l'homme. C'est cette façon de faire de nos souffrances une si belle espérance, de continuer à aimer, de devenir à chaque fois meilleur. Et je crois que ce que vous disiez, Madame l'avocat, et je suis heureux de cette étreinte impromptue entre un avocat général et un avocat de la défense, ça montre bien que ce procès a une part de réalité. Ce que vous disiez de merveilleux, c'est que de toutes ces souffrances qui nous arrivent, nous devons tendre vers le meilleur. Et que si Dieu existe ou qu'il n'existe pas, il est aussi ces souffrances que nous avons. Mais il est également ses volontés, ses grands bonheurs. Et en tout cas, et je vous le dis avec une grande joie, merci à chacun d'être venu ici ce soir. Moi, je suis rempli d'amour, rempli de Dieu. Et maintenant, je vais laisser les membres du jury, qui sont tous des êtres exceptionnels, nous donner un témoignage personnel ou philosophique sur leur vie. Et, enfin, ils vont tous faire un témoignage. Ensuite, ils vont délibérer sur scène pour éviter de perdre du temps. Donc, ils vont rester là. Et à la fin de leur délibéré, le président du grand jury, qui ne va pas parler maintenant, parlera à la fin du délibéré pour le donner. Mais avant le délibéré, je vais laisser chaque membre du grand jury de la façon dans l'ordre dans lequel je vous ai présenté. Donc, nous allons commencer par Madame le professeur Monique Antosperber, s'il vous plaît. De propos passionnants, extrêmement incisifs, perspicaces. Mais si vous permettez, Monsieur le Président, comme Dieu, en tout cas ce qu'il est aujourd'hui, est en grande partie la créature des philosophes et des théologiens, je dirais quand même quelques mots sur ce procès. Une chose m'a étonnée dans cet échange d'arguments plus virtuoses les uns que les autres, c'est qu'on n'ait pas renversé la charge de la preuve. Au fond, Dieu a plus de raisons d'accuser d'être l'accusateur que l'accusé. D'ailleurs, quand on se rapporte aux 20 premiers chapitres du livre fondateur des trois religions monothéistes, c'est-à-dire les 20 premiers chapitres de la Genèse, Dieu est constamment l'accusateur. Il accuse et juge Adam et Ève, il accuse et juge Noé, il accuse et juge les initiateurs de la tour de Babel, il accuse et juge Sodome qu'il détruit. Et d'une certaine manière, la charge qu'il porte contre sa propre créature est toujours la même. Qu'as-tu fait de ma justice? Qu'as-tu fait de ma loi? Tu l'as défigurée. Au-delà de cela, dans toute l'histoire de la pensée, Dieu est la condition de possibilité de tout ce qui rend ce procès possible. Et à ce titre, il s'est un accusateur légitime. La naissance de la science et la situation de la science contemporaine a été remarquablement évoquée tout à l'heure par deux voies différentes. Mais comment la conception à partir de la fin du XIIe siècle et surtout au XIIIe siècle d'un monde obéissant à des lois immuables, d'un monde dont on pourrait rendre compte en termes mathématiques, comment cette idée folle qui exigeait un courage intellectuel extraordinaire par rapport à la représentation qu'on avait alors de la nature, comment cette idée folle aurait été possible sans l'hypothèse, le postulat d'un garant fondamental qui d'une certaine manière allait être là comme la caution de ce que Descartes appelait les vérités éternelles. Ce Dieu n'a pas de substance, ce Dieu n'a pas de contour, ce Dieu n'intervient pas sur les hommes, il n'a aucun effet causal, mais il est ce postulat qui garantit l'audace humaine et l'audace intellectuelle humaine, qui en quelque sorte ne fait que
qu'est-ce qui sait et rassurer l'homme dans cette terre inconnue où il devra se lancer. On peut dire la même chose d'ailleurs de la politique au sens fondamental, de la possibilité pour les hommes de vivre ensemble. La religion, vous le savez, ça veut dire religio, c'est ce qui lie les hommes ensemble. Aucune cité n'aurait été possible, aucune communauté n'aurait été possible sans ce postulat de Dieu, encore une fois, à la limite comme une absence, privée de contenu, privée d'intention, mais comme cette hypothèse nécessaire qui rend possible l'union des hommes et la conjuration de la violence collective. Et enfin, pour terminer, le sens même de la justice, ce au nom de quoi ce procès s'est remarquablement instruit, aussi bien dans les propos de l'avocat général que dans ceux du défenseur de Dieu. Ce sens de la justice, cet idéal de la justice, à qui le devons-nous ? Sinon à Dieu, alors encore une fois, il est hors de question de penser que Dieu les crée en tant que tel. Je ne m'aventurerai pas dans ces hypothèses, mais en tout cas, lorsque l'homme a commencé à le penser, il ne pouvait lui donner qu'un nom, le nom qui sert à désigner toutes les hypothèses qui portent l'homme au-delà de ce qu'il peut penser à l'époque où il le conçoit, c'est-à-dire Dieu. Je reviens à ce que j'évoquais tout à l'heure, ce fameux chapitre 18 de la Genèse, extraordinaire, quand après que le projet que Dieu avait à l'égard de l'homme individuel, Adam, ait d'une certaine manière échoué lamentablement, après que le projet collectif Babel ait totalement échoué, Dieu rencontre, au fond, celui qui, pour la première fois, va affirmer la responsabilité de l'homme face à lui. Abraham, installé devant sa tente, en route pour Canaan, et Dieu lui dit... On me dit, j'entends la douleur de la justice qui me vient de Sodome, je vais aller voir ce qu'il en est. Et si c'est le cas, ma justice est de nouveau violée, je les détruirai. Et Abraham s'avance vers Dieu, enfin Elohim dans le texte, et lui adresse cette phrase mais extraordinaire qui d'une certaine manière montre à quel point Dieu est une hypothèse nécessaire pour rendre l'homme immense. Abraham lui demande... Mais vas-tu faire périr le juste avec le coupable ? S'il y a 50 justes dans la ville, vas-tu vraiment la faire périr ? Comment celui qui juge la terre n'agit-il pas selon le droit ? Et puis ensuite, dans cette extraordinaire négociation, ce n'est plus 50 justes, ce sont 45 juges, et puis ensuite justes, et puis ensuite 30, et puis ensuite 20, et puis ensuite 10. Et Dieu dit... pour 10, je ne détruirai pas Sodome. Et vous savez à quel point dans le judaïsme, il y a une réticence totale sur le fait de compter les personnes, du moins de les compter explicitement. On s'arrange pour que, pour certaines cérémonies, il y ait un nombre acquis, mais sans avoir à les compter. Mais vous voyez comment tout le sens de la justice est forgé, au fond, par l'homme lui-même, dans cette altère, ou dans cette altérité qu'il se donne, le refus de au fond, l'origine de l'individualisation des peines, le refus de la justice collective, la notion de responsabilité, le refus d'arguments utilitaristes, peu importe s'il y en a un qui périt injustement. Bref, tout cela vient de Dieu, de même que cette idée de la théodicée, la justice de Dieu, qui n'est au fond qu'un signal adressé à l'homme. Voilà, ne pleurez pas sur ce monde, c'est votre monde, faites-en le meilleur monde possible. Donc d'une certaine façon, Dieu, quand il est absent, n'en est que beaucoup plus efficace. C'est une hypothèse nécessaire qui anticipe, qui garantit et qui surtout assure que la conversation humaine continue. Ça a été le cas encore ce soir. Merci beaucoup, Madame le Professeur. Madame l'ambassadeur Anna Bosman. Je vous laisse nous réjouir. Merci. Alors, vous entendez ? C'est bon ? Je pense que celui-là, c'est mieux. Alors, d'abord, je voudrais vous remercier vraiment de m'avoir invité ici. D'abord, ça, c'est, comme vous avez dit, c'est festival de l'éloquence. Je ne suis pas éloquente. Et ensuite, je suis anglophone.
Alors, mon français est un peu approximatif. Et je vais dire certains mots, je vais dire certaines choses en français. Mais si vous permettez, parce que je réfléchis en anglais. Je vous le permets. Merci. Je vais prendre le soin de parler en anglais parce que je pense que je pourrais me faire beaucoup plus comprendre. La première chose que je voudrais dire, c'est que vraiment, j'étais vraiment, vraiment, vraiment époustouflée par tout ce que j'ai entendu. Je ne m'attendais pas à ça du tout. Et vraiment, vraiment, si je n'avais pas vraiment pensé à l'existence de Dieu, parce que j'ai toujours accepté l'existence de Dieu, j'ai toujours connu en moi qu'il y a un Dieu, qu'on l'appelle Dieu, Allah, Abba, n'importe. Parce que moi, j'ai toujours grandi. D'ailleurs, j'avais dit à l'abbé que j'ai grandi en fait dans l'église catholique, mais je ne suis pas catholique. Hein. Il y a certaines choses que je voudrais vous demander aussi, c'est-à-dire que dans tous les autres, bon, les anglicans, les presbytes, comme on dit, presbytères, d'accord, on peut prendre la communion, tout le monde peut prendre la communion, mais quand je viens maintenant à l'église catholique, on me dit de ne pas le prendre. Et je pense que ça, vraiment, c'est quelque chose que je ne suis pas d'accord avec. Mais nous adresserons une doléance à Dieu. Pardon ? Nous adresserons une doléance à Dieu en ce sens. Voilà, voilà. Mais il y a certaines choses que j'ai retenues. C'est tout d'abord que le procès de Dieu est le procès vraiment de l'humanité. Je suis vraiment d'accord avec ça. Et en fait, ce que je pense aussi, c'est que le procès de Dieu, vraiment, c'est un procès personnel. Et là, je vais commencer à parler en anglais. OK. Merci de m'avoir permis, de me permettre. You see, science is good. Very good. I think that both of you really showed us that there's lots of things that science gives us. But what is it that permits us to know, to have all this knowledge from science? You cannot tell me what it is. So it must be something beyond science. It has to be something beyond science. And when you talk about artificial intelligence, when you talk about robots, who actually creates those robots? It's men. And how do men and women, how do they come to the ideas to create such things? But even more fundamental is what is it that they create? The creation is mechanical. That's all. The feelings are not there. It doesn't matter what you do, the feelings are not there. And if the feelings are not there, it means what you have created is not human. And if it's not human, and if God, or we are in the image of God, they cannot be equated to man. And therefore, that always puts us at a disadvantage or at a lesser, I'm talking about the robots now, at a lesser level. The other thing is that for why I said that I really think and agree that when we start condemning or having a trial for God, against God, it is really a trial against ourselves. We are questioning ourselves. That's the truth of the matter. The truth of the matter is, it is not God that we are questioning. We are questioning the things that we do that makes us believe that there's no God. In fact, it is the trial of human beings. That is true. That is what it is. It is we have created the environment or the processes or the factors that have actually made us suffer. And as we all know, when we start suffering, we try to blame somebody else for that suffering. It is human nature. We never want to take responsibility for what we ourselves have created.
But you saw two things here, or at least I noticed at least two things here. When she said Jesus is walking here, you all looked back. Why? You all looked there because inside of each of us, we start thinking, perhaps it's true. You started looking there. It was almost intuitive, instinctive. If there was a robot here, he wouldn't have done it. No way. But you all looked back there. When the batonnier was talking, we were very, very, very impressed. The batonnier brought us a lot of things, which is true. And we keep asking ourselves these same questions. Why does God let bad things happen to good people or to innocent people? He's right. Why does God do this? But then, and then there's, and all that evokes such ugliness in the world. And yet, when God's avocat came and started speaking the words of love, the words of wisdom, in fact, huh? But the words of peace, and the way she spoke about them in poetic terms, all of you, every single one of you, I was looking across every single one of you, there was something inside you that resonated with what she was saying. What does that mean? It means that in each of us, whether or not we accept, or whether or not we even think that there is God, we know that there's God. And it reminds me of here I'll go back to French. It reminds me of a competition, a speaking competition, French competition that I did when I was very, very, very young, you know. And it was reading competition. And they gave me a passage to read from Albert Camus, I think it's Albert Camus, La Peste. And it goes like this. Si aujourd'hui la peste vous regarde, c'est que le moment est venu, c'est que le moment de réfléchir est venu. Alors, les justes ne peuvent craindre cela, mais les méchants ont raison de trembler. Parce que dans l'immense grange de l'univers, il y aura plus de mal que de bien, et le malheur n'est pas été voulu par Dieu. So, as I say, and because this is eloquence, first of all, the eloquence, it has to be in French. I don't want to speak too much, but I will say again that for me, what really resonated with me tonight was that I will keep in mind that the process, the trial of God is really the trial of human beings. And this is what we have to keep thinking about, that it is actually our trial. Those questions that we are asking of God, those are the questions that we should ask for ourselves. Thank you very much. Merci beaucoup, Madame l'Ambassadeur. Merci beaucoup, Madame l'Ambassadeur. Je vous passe ma très chère amie, Aude de Thouin, la fondatrice de Women in Africa, qui est une initiative absolument formidable et qui, à mon sens, montre que les âmes n'ont pas de couleur, si ce n'est peut-être des odeurs d'espérance et de joie. Et on peut vouloir aider, j'allais dire, des cultures, des personnes qui ont la peau un peu plus mordorée, tout en ayant une mélanine albâtre. Et donc, je pense qu'elle est un bel exemple d'humanité, un bel exemple de ce qu'on peut faire pour les autres. Je te passe la parole, Aude. Bonsoir, je suis très troublée d'être ici. Et si Pascal vient de dire ce qu'il vient de dire, c'est parce que j'ai lancé cette initiative Women in Africa il y a bientôt 4 ans à la demande de femmes africaines. Et pendant 2 ans, les femmes africaines, beaucoup ont dit... C'est formidable ce que vous faites, c'est dommage, vous êtes blanche. Et ça m'a amené à penser à beaucoup de choses, à douter de ma capacité à faire quelque chose. Et j'ai démissionné. Et j'ai nommé une femme africaine pour me remplacer. Néanmoins, j'ai pris cette décision, j'avais 68 ans l'année dernière,
et je me suis dit que j'avais l'âge de la transmission, et donc je suis en train de la former. Donc je reste, j'agis, mais cette affaire aujourd'hui est dirigée par une équipe franco-africaine, américaine aussi d'ailleurs, et anglaise. Alors moi, je suis un chef d'entreprise, donc je suis... j'ai une vision des choses et surtout je mets les choses, je fais des choses que je vois, que j'observe. Et la première chose que j'ai observée ce soir, c'est que le diable était représenté par une femme. Je pense que c'est un concept en soi. Et puis, quand j'ai vu M. Galli arriver, à un moment, j'ai cru que c'était Dieu. Je t'ai vu en bas. Mais il revient grâce à toi. Revient tout à l'heure pour l'hôtel. Je reviens tout à l'heure. Tu as parlé, il ne faut pas. Ensuite, le Séraphin est arrivé et l'envoyé de Dieu était. Lui est physique. Mais il revient tout à l'heure. Il était un homme. Et une des choses qu'il a observées, c'est qu'il y avait au-dessus de nous une représentation d'un Séraphin nu qui était représenté par un homme. Et je trouve que, pour revenir au diable représenté par une femme, que c'est du courage que d'avoir osé cette représentation. Bravo pour cela. Merci beaucoup, Aude. Et oui, je surgis de nulle part comme Dieu lui-même. Ah ! Sans tomber. Ah non, j'ai pas fini. Ah ok, d'accord. Pas du tout. Hey, excuse-moi, Aude. Pas du tout. Comme tu as dit merci, non, Lucia. Non, non, je dis, non, je félicitais madame. Bon, bah, écoutez, ensuite, Dieu se retire. J'ai noté des mots, les mots féminins et masculins, et qui me font penser, qui me ramènent à ces doutes sur, et les questions qui sont les miennes. Il se trouve que je suis née dans une famille catholique, j'ai un cousin curé qui regardait toutes les femmes qui passaient. Et j'ai une sœur qui a été élevée pour être religieuse. Elle n'a pas suivi la voie. Et je suis dans un doute depuis quelque temps. Et avec ce que je fais pour l'Afrique, ce doute m'habite. Et je pense que j'arrive à créer ce que je crée parce que justement j'ai des doutes. Alors je me suis amusée ce soir. Je n'ai pas fait le compte, mais je pense que je le ferai quand je rentrerai chez moi, sur l'utilisation des mots plus féminins ou plus masculins. Et des choses m'ont frappée. L'éloquence, puisque nous sommes dans un concours d'éloquence, est un mot féminin. Dieu a de la mémoire. C'est ce qui a été dit. C'est un mot féminin. Vous avez cité Marie-Madeleine et les 70 vierges. Et je me suis dit, Dieu ose tout. Ce qui me rassure beaucoup ce soir, c'est que le mot intelligence est féminin. La science aussi est un mot féminin. La loi aussi, la terre aussi, la lumière surtout. Et il y a d'autres mots dans ceux qui m'ont inquiété, qui est le robot, qui est un mot masculin. Et en même temps, j'ai fait le paradoxe et j'ai noté tout de suite en dessous le mot amour, qui est un mot important dans ce qui a été dit ce soir. Et le mot amour est un mot masculin. On peut, effectivement, mais il est plus utilisé au masculin. Mais, l'université, vous avez raison, mais ça n'a pas été cité dans les débats, mais vous le représentez tellement bien que, oui. Et en plus, je connais votre position sur le sujet des femmes. Voilà. Alors, il y a une chose également qui m'a beaucoup frappée ce soir, monsieur, c'est que toutes les citations que vous avez faites étaient toutes écrites par des hommes. Seulement, madame a cité deux noms masculins, elle a cité sœur Teresa, et vous avez cité cette femme à Auschwitz, qui parlait de Dieu, et qui pensait à Dieu, et que Dieu accompagnait dans son chemin. Il se trouve que j'accompagne des élèves d'un lycée, du 9-3 tous les ans à Auschwitz, avec une association de femmes qui s'appelle Langage de Femmes. Cette association, dont je suis la présidente d'honneur, est composée des trois religions monothéistes, une femme musulmane, pratiquante, professeure d'anglais dans un lycée extrêmement difficile, dans le 9-3, Théodore Monod, à Noisy-le-Sec, une femme juive pratiquante,
et je suis la catholique non pratiquante. Et nous accompagnons des élèves, parce que dans ce monde où le racisme et l'antisémitisme est en croissance totale, c'est là où la question de Dieu peut se poser, justement. La question de Dieu ou la question de tout ce qui peut nous dominer. La question de cette chose, de cet esprit, de cette chose qu'on n'arrive pas à définir et qui est majeure et que nous essayons d'expliquer aux enfants. À des enfants qui sont souvent manipulés par la religion. Et il y a quelque chose de très frappant dans cette manipulation, c'est que nous, catholiques, nous maintenant, ce n'était pas le cas il y a quelques années, quelques siècles, nous manipulons beaucoup moins, sinon pas du tout, les foules, alors que aujourd'hui, l'islam voit monter cette manipulation des jeunes et ce qui provoque cette situation. Et c'est en cela qu'un débat comme celui-ci est intéressant, pour savoir, pour amener, et c'est formidable qu'il y ait autant de jeunes, il faudrait que ce genre de débat ait lieu aussi dans des établissements, dans des écoles, comme celle où je vais dans le 9-3, pour expliquer qu'il y a eu, le monde a été construit, l'humanité, mot féminin, existe, et est un mot qui est arrivé aujourd'hui auprès de nous, parce qu'il y avait des... C'était peut-être pas des penseurs, mais en tout cas, quelqu'un, des gens, on ne sait pas, qui ont pensé. Ils ne pensaient pas qu'on arriverait aujourd'hui jusqu'ici, mais ils ont pensé qu'il n'y avait peut-être pas de différence entre l'homme et la femme. Et en permanence, il faudrait que dans des concours d'éloquence, dans des débats comme celui-ci, ce soit un sujet qui revienne, un sujet récurrent, tant il est nécessaire. Je vous remercie. S'il m'est permis, deux mots. L'un par souci, c'est une dame que j'ai citée à propos d'Auschwitz et qui disait, c'était une dame. Et j'observe que c'est à propos d'un homme que vous avez vu entrer Dieu et non pas à propos d'une femme. Vive les femmes, et sur cela je passe la parole aux hommes. Et puisque nous les hommes, nous sommes infiniment moins intéressants que les femmes, je vous prie, chers... C'est l'humilité qui le commande et la réalité. Cela dit, toute séduction gardée, je crois que les femmes, pas toutes les femmes, mais les femmes, sont d'une essence supérieure, ce qui est une conviction personnelle. Et je ne dis pas ça pour séduire les femmes dans l'auditoire. Donc je passe la parole au bâtonnier Élie El-Kaïm. Mon cher Élie, je te passe la parole. Cher Pascal, merci. Monsieur le Président de ce jury, merci de m'avoir accepté bon gré, mal gré. Je suis arrivé dans ce jury sans m'y attendre moi-même, comme vous l'aurez compris, et en principe dans les cours d'assises, même si en Suisse nous n'avons plus de jury et nous n'avons donc plus de juré du tout, vous avez la chance d'avoir encore cette institution dans votre justice française, même si je crois qu'elle est un peu discutée. En principe, on interroge les jurés pour savoir si c'est bien celui-là qu'on veut ou celui l'autre que l'on voudrait. C'est vrai pour le parquet, c'est vrai pour la défense. Comme vous n'avez pas eu l'occasion de le faire, et même si c'est un peu trop tard pour vous, je voulais dire un mot sur ma perception de l'existence de Dieu ou pas, parce qu'au fond, si j'ai bien compris, ce procès est un procès de Dieu pour autant qu'il existe. Et s'il n'existait pas, c'est dans ce cas le procès de l'escroquerie des hommes, d'une certaine manière. Et il s'avère que je suis né dans une famille où l'existence de Dieu était une évidence. C'est une famille juive, une famille des enfants d'Abraham. Je me tourne vers l'avocate, parce que j'ai appris il y a quelques jours seulement pourquoi est-ce que le peuple juif se dit être l'enfant d'Abraham. Pourquoi pas Adam, qui était quand même le premier de nous tous? Pourquoi pas Noé, même, qui a sauvé l'humanité? Eh bien, on se dit qu'en fait, Dieu a choisi que ce serait Abraham, parce qu'en fait, Abraham a été le premier avocat de Dieu.
Aucun autre n'a parlé pour lui aux autres. Abraham a été le premier, pour utiliser un terme moins correct aujourd'hui, a été probablement le premier prosélyte. Il est le premier à avoir dit à son père « Tu te trompes et tes idoles, qui peut-être un jour deviendront des robots, ne valent rien et qu'il doit exister une force plus grande. » Alors moi, de cette famille issue d'Abraham, ben, j'étais très content de cette foi si facile à vivre, ce d'autant qu'en plus je m'appelais Élie. Mes parents sans doute n'avaient pas lu Élie Wiesel, mais Élie ça veut dire mon Dieu. Donc Dieu pour moi était quelqu'un forcément d'important, une référence, et une référence qui, si je voulais exister, devait exister aussi. Et puis il m'est arrivé une mésaventure. J'en suis absolument confuse et j'admire toute votre œuvre, mais cette mésaventure est une femme. Comme toujours, mon cher. Je vais le dire doucement, sur le ton de la confidence, presque de la confession, parce que ma fille est là, je ne sais même pas si elle est au courant. J'avais à peu près 8 ans. C'est vrai, Mélissa, j'avais 8 ans. Et j'avais pris l'habitude, le jour de Shabbat, c'est-à-dire le jour du Seigneur, le samedi, d'être toujours avec la même petite copine que je connaissais depuis que j'avais 4-5 ans. Donc, on se connaissait bien à 8 ans. Et on a commencé à se connaître de mieux en mieux, et à se connaître en cachette. Nos parents dînaient, sans doute priaient, et nous connaissions de mieux en mieux. Mais voilà qu'un jour, cette fille charmante, on devait avoir 8 ans et demi cette fois, me dit « Élie, ce que nous faisons est très grave. » Et nous allons être punis. Et je dois vous dire que j'étais terrifié. Parce que j'imaginais déjà la tête de ma mère, de mon père, et pire encore, de son père, me sermonner en me disant « Mais qu'as-tu fait ?» Et elle termine sa phrase en me disant « Oui, nous allons être punis, Dieu va nous punir. » Et j'ai vécu le plus incroyable soulagement de ma vie. Et il est vrai que depuis ce jour, cette foi si naturelle, si profonde, si ancrée, si joyeuse, et rester un peu parasité par cet instant de soulagement qui m'a fait dire « Tiens, si c'est Dieu, ça va !» Et puis, ce sont des doutes dont on ne se remet, pensais-je, jamais. Et puis ce soir, je suis arrivé, j'étais à la gare, j'ai sorti du TGV, il faisait moche. J'ai récupéré Mélissa, son amie, ma petite nièce. Nous sommes venus ici, nous avons déjà réservé au restaurant basque, paraît-il très bon. Et voilà que je me retrouve, outre à croiser quelques amis qui me sont chers, à juger Dieu dans l'amphithéâtre Richelieu de la Sorbonne. Eh bien, je dois vous dire que pour la première fois depuis 45 ans, je me dis que les miracles, au fond, peut-être existent, à moins que Georges Haddad, dont on m'avait dit beaucoup de bien, ce soit juste « Good luck university ». Alors je pense que nous ressortirons tous transfigurés de cette soirée. Maître Giovigalli, je vous laisse la parole pour dire un mot. Je vais être un peu bref et schématique. D'abord, féliciter tous les intervenants, les envoyés
aussi bien l'envoyé du diable, pas de la diabèse, mais du diable, que l'envoyé de Dieu, le séraphin de Dieu, pour la qualité du travail, bien entendu. Remercier tous les professeurs qui nous ont éminemment instruits ce soir. Remercier surtout et féliciter les deux intervenants principaux, le bâtonnier Charrier Boulanazel et Maître Dumic pour l'accusation et la défense. Bravo donc, mon cher Pascal, pour le choc des légendes. Donc, j'ai pu comprendre qu'il a bâti sur deux légendes, effectivement. Christian Charrier Boulanazel, légende de Paris, de France, de la CIB, et Marc Bonnat, légende de Genève, du français, et de la CIB également. C'est les deux légendes de départ qui ont confectionné ce beau festival d'éloquence. Ça me donne la fierté de dire à notre fils Pascal que nous sommes très heureux de son parcours. Mon épouse, sa maman, donc, qui est dans la salle, avec ses frères et soeurs, ce jour-là, pour te dire que Pascal, nous sommes bien fiers de toi. Hein? Il faut continuer dans ce sens. Merci, papa. Sur le plan personnel, moi, je n'ai pas de problème de métaphysique avec Dieu. Pascal a dit, ça fait plus de 40 ans, je passe un peu de mon temps à l'abbaye de Légugé, non seulement pour la méditation, le silence et le chant grégorien, mais aussi pour la bonne bouffe, il faut le souligner. Les moines font mieux à manger qu'on le croit. On mange très bien à Légugé. C'est les bénédictins. Et le vin est très bon aussi. Et donc, de ce point de vue, je n'ai pas de problème métaphysique. Mais je voudrais juste conclure en disant que j'ai suivi un peu les péripéties de l'organisation de ce festival et de tous les talents politico-diplomatiques et académiques déployés par tonton Georges. C'est comme ça que Pascal appelle le président de l'Université de Paris, qui était mon université aussi, faut le dire. Comme quoi, Paris ne produit que de bonnes graines. Alors, c'est pour dire que, bon, en réalité, ça ne valait pas le coup de se donner des coups de poing pour un moment de si grande joie, quoi. Finalement, ce qui est important, ça a été dit, c'est l'amour. Je voulais dire merci à Georges Haddad pour l'attention quasi paternelle avec laquelle il soutient, je ne sais pas comment il a fait pour le rencontrer, mais enfin, soutient Pascal. Et donc, on est fiers de revenir ici dans cet amphithéâtre de Richelieu où on venait suivre des cours il y a quelques dizaines d'années. Et donc, merci pour vous tous d'être venus. Et je dirais que pour le papa que je suis, ce n'est pas à cause de ce lien que je suis dans le jury. Je pense que non seulement le sujet m'intéresse, mais je suis quand même, je suis dans le coup, quoi. Et donc, je suis heureux comme papa et je suis heureux de participer à ce moment d'échange et d'élévation de l'esprit.
Je profite de l'occasion pour dire encore une fois que les deux légendes, le Charrière, Christian Charrière-Bournazel et Marc Bonnat, qui sont des amis de plus de trois décennies, n'est-ce pas, font la joie de mes enfants et de la famille. Merci beaucoup. Merci beaucoup, papa. Ça fait un peu bizarre dit comme ça. Monsieur le père abbé de Ligugé, je vous laisse la parole. Je vais être bref. Bon, vous savez que Ligugé est un monastère où on mange bien. On y prie aussi beaucoup. On chante le chant grégorien, donc vous êtes tous invités. Quand vous voulez, c'est un très beau monastère, oui. Le plus ancien monastère d'Occident. Procès de Dieu pour un moine, effectivement, j'ai un peu, quand j'ai vu que le diable était effectivement bien représenté, je me suis dit ça peut être. Enfin, la tentation n'a pas changé depuis l'existence. Et c'est un moine qui le dit. Et un père abbé en plus, oui. Ce qui est intéressant dans le livre de la Genèse, c'est que la pomme est un fruit neutre, c'est pas forcément une pomme, on est tous attirés par des désirs différents, c'est intéressant de le savoir, et je crois qu'en hébreu, Dieu est féminin aussi, ça dépend du terme, plusieurs noms, mais effectivement, il peut être féminin. Voilà, juste deux petites, je crois avoir vu Dieu quand je servais la messe à Notre-Dame de Paris, quand j'étais plus jeune, et que Jean-Paul II est venu pour les JMJ 97, je crois, et qu'on a pu l'approcher les uns après les autres. Il nous a donné la communion, remis un chapelet, et dans le face-à-face avec lui, j'ai vu une lumière qui a été le début de ma vocation monastique. C'était si fort que, enfin, c'est comme si j'avais bu beaucoup de champagne sans avoir bu de champagne, et donc cette joie si intense comme un coup de foudre est restée jusqu'au soir, et je me suis dit, il faut que je change ma vie. Donc ça a été le début de ma vocation monastique. Et le carnet à Lustiger, autre allusion, m'a dit, ne cherche pas, frère Christophe, le paradis quelque part. Le paradis et l'enfer sont ici, sur terre. Et donc je crois qu'effectivement, c'est bien le procès de l'humain. On a tous, comme humains, qu'on soit croyant ou pas, à achever la création, ça c'est théologique. Et donc ben, on a les moyens de le faire positivement ou négativement. Et donc, soyez assurés que je prie pour que chacun d'entre nous puissions le faire de manière la plus belle possible. Voilà, merci. Merci, mon père. Merci à tous. Maintenant, le jury, pour gagner du temps, va délibérer, se lever et discuter en colloque dans un secret absolu, garanti par le Seigneur lui-même. Donc je vous laisse discuter pendant, s'il vous plaît, juste quelques secondes, quelques minutes, juste le temps de faire des... Parce que c'est vrai que nous avons gravement... le temps a été très long, mais ce sont des choses, des moments uniques que nous vivons, et donc ça n'a pas de prix. Donc s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez vous lever et discuter en colloque ici? Et dans trois minutes maximum, le président du grand jury prononcera son délibéré. Je suis un peu gêné d'intervenir avec un jury tout à fait exceptionnel. Le tirage au sort républicain s'est pas mal débrouillé. Mais je ne pense pas qu'il y ait eu d'irrégularité. Et je suis un peu quand même gêné parce que... 43 ans au Conseil d'État m'ont pas appris d'éclat médiatique, c'est plutôt des hommes de l'ombre, et là pour le coup ce procès est très médiatique, mais on va s'en débrouiller. Et puis il y a une irrégularité grave dans ce procès, c'est que je n'ai pas été désigné par le Conseil supérieur de la magistrature. Donc, vous comprenez bien, dans ce pays, parler sans l'aval du Conseil supérieur de la magistrature quand on est président de jury. Et enfin, je voudrais faire quelque chose qu'un président de jury ne doit jamais faire, c'est remercier quelqu'un. Et je le ferai quand même. Je remercierai deux ou trois personnes. Premièrement, le président de l'université, parce qu'en règle générale, j'ai horreur
d'aller dans des opérations de justice qui ne sont pas dans des lieux de justice. Certains d'entre nous se sont battus pour qu'il n'y ait pas de justice dans les centres de rétention, etc. Vous voyez à quoi je fais allusion. Mais, après un débat de conscience qui a duré plusieurs semaines, j'ai accepté de venir ici parce que l'université, c'est le lieu de l'universalité. Donc, ça me suffisait. Je remercie pour ça le président Haddad. Je remercie M. Pascal Galli, qui est venu me voir tout à fait par surprise. Les gardiens de l'Institut Pasteur l'ont laissé passer, ce qui est déjà quelque chose de... Et du coup, je ne sais pas très bien pourquoi encore, j'ai accepté. Et puis, je remercierai les différentes personnes, les dames et les messieurs, qui s'intéressent à l'Afrique de différentes manières. Hier soir, j'étais à Yaoundé, où je réunissais tous les instituts pasteurs du monde, des 5 continents, et je voyais avec une admiration qui me fait du bonheur le centre pasteur de Yaoundé, dirigé par des jeunes professeures africaines. Et alors là, quand on parle, vous parlez des femmes en Afrique, ben voilà, elles vont à New York, elles reviennent, elles sont thésardes, et tout ça, c'est un peu aussi une action d'institutions comme celle que j'ai l'honneur de servir. Voilà, je voulais vous le dire, je suis descendu de l'avion à 5 heures et je suis devant vous et je n'avais pas prévu qu'on parlerait de l'Afrique comme ça. Je salue ces dames et ces messieurs. Alors, je voudrais en commençant dire que les débats ont été très laborieux, très difficiles. Vous n'en avez vu que la pointe de l'iceberg, mais on a vraiment discuté des heures, comme vous l'avez vu. Et pourquoi j'ai accepté? Dans quelle galère je me suis mis? Eh bien, c'est que j'aime le débat. Et le débat, j'ai bien aimé, vous avez employé le terme, madame, la conversation. L'autre jour, j'ai écouté la leçon introductive au Collège de France du professeur Fauvel sur l'histoire de l'Afrique, et il expliquait que l'histoire, c'est de la conversation entre plusieurs personnes placées sur le même plan. Il n'y a pas de domination, mais je trouve que l'art français de la conversation du 18e peut avoir un sens aujourd'hui. La conversation, c'est se parler sans se tuer. C'est déjà pas mal. Et enfin, je voudrais expliquer, ça va introduire le verdict que je vais vous proposer au nom de tous mes collègues et de moi-même, c'est que Dieu a aussi le droit au doute. Je pense que des gens qui jugent doivent douter, décider, mais douter. Et Yankelevitch, dans le « Je ne sais quoi et le presque rien », termine par cette phrase « Si par hasard Dieu était méchant ou de mauvaise volonté, en tout cas, Dieu ne semble guère pressé de rendre son verdict de justice. Dieu ne se décide pas à conclure, Dieu hésite, lui aussi se fait prier. » Alors que Dieu se fasse prier, mais il y a quelque chose qui fait que Dieu doute et d'une certaine façon, ça me le ferait aimer. Mais le président du jury n'a aimé personne. Il a à dire le verdict. Alors, 4 raisons nous ont fait penser et m'ont fait penser à être tenté de suivre les très brillantes et remarquables conclusions de l'avocat général. Le premier, c'est qu'est-ce que c'est que cet accusé? Eh bien, c'est un coriace. C'est un dur. Et dans la justice, on se méfie un peu des durs. Il connaît la justice, c'est l'être des jugements derniers. Il connaît le prétoire, Marc 18. Il a connu les procurateurs romains. Il n'aime pas les juges, le juge inique et la veuve importune, Luc 18. Il se permet, le pire, de critiquer des décisions de justice. La nouvelle justice sera supérieure à l'ancienne, etc. Matthieu 5. Donc Dieu est un spécialiste retors et il faut s'en méfier quand on a à le juger. Deuxièmement, il est suspect. La romancière américaine Donna Tartt, dans son très célèbre Chardonneret, fait poser à un élève la question « Est-ce que le Dieu a le sens de l'humour ?» Et deuxièmement, est-ce qu'il a le sens de l'humour cruel comme les enfants de la comtesse de Ségur déchiquetaient les insectes ? Et ben, la question est encore à discourir. Donc Dieu a des zones d'ombre, comme ça a été admirablement présenté par l'avocat général. Et puis peut-être ce que je n'aime encore moins chez ce client, c'est qu'il avance masqué.
Il dissimule son identité. Alors en justice, quand vous ne connaissez pas très bien l'identité de quelqu'un, ça vous met mal à l'aise. Comme les grands truands, ses apparitions sont rares. Il les réserve à quelques bénéficiaires. D'autant plus que le nom de Dieu, aussi, comme dans le silence des hommes dangereux ou des femmes dangereuses, le nom de Dieu ne se prononce pas si facilement. Exode 20, tu ne prononceras pas en vain le nom de Yahvé, ton Dieu. Mais quand on parle d'un délinquant qui passe en justice et que personne n'ose présenter son nom, alors, le pire encore, c'est qu'il circule sous alias. Avec des noms d'emprunt, Jésus, Allah, Yahvé, Siva, Vishnu, et même dans les religions africaines, on a pu l'appeler charpente des espaces ou os du ciel, ce qui est très beau. Mais qui est-il vraiment sous ces noms? Alors, ces pseudos ne le lassent pas d'être inquiétants. La quatrième raison, qui est peut-être la plus grave, c'est que on le soupçonne de vivre en bande organisée. Dieu et ses saints. Moi, ça ne me fait pas rire, le séraphin. Quand il y a des troupes de séraphins qui convergent vers vous, je fuis. Il y a ces anges. Et d'ailleurs, à un moment donné, il répond, le Christ, dans les évangiles, « Je pourrais vous envoyer des nuées de saints. » Donc, des nuées de saints, ça fait penser à l'apiculteur avec son casque. Donc, il faut s'en méfier. Ces prêtres, ces fidèles, les membres de la bande sont quelquefois moins bons que Dieu, mais ils le secondent sérieusement, donc ils ne se déplacent pas tout seuls. Et ils provoquent des réactions. Je pense au situationniste de Guy Debord qui disait « Bon, ben maintenant, il y en a marre des saints, on va habiter boulevard Germain ou rue Honoré. » Et ça marchait pas mal. Donc voilà quelqu'un qui arrive avec des sérieux antécédents judiciaires. Mais comme nous sommes un jury équilibré, soucieux d'impartialité, nous avons quatre raisons d'arrêter l'épée de la justice. La première, c'est un vieux technicien de la justice, là, qui prend les choses à ras de terre. D'accord, si on le condamnait, quelle efficacité ça aurait? Question qu'il faut toujours se poser, en coût ou avantage, pour être cynique. Condamner Dieu, avant, il faut le mettre en examen. Et ce serait pour lui un triomphe. C'est comme le mettre en prière ou mettre en adoration, mettre en examen Dieu. Alors condamner, c'est encore pire. Ça serait lui faire honneur. On ne condamne que ce qui existe. Ce serait une reconnaissance de dette. Et le condamner à quoi? À mort? Vous le voyez demander sa grâce au président de la République? À la prison! À la prison! Vous croyez que les filins anti-hélicoptères l'arrêteront? Et s'ils ne s'évadent pas, c'est pire. À qui donner les permis de visite? Dans les systèmes monothéistes, Dieu est bien seul. En plus, il connaît les trucs de surveillants par cœur. Ne dit-on pas « Dieu vous garde » À l'amende. À l'amende. Il vous trouvera mesquin. Lui qui multiplie les pains peut multiplier les pièces. Alors, peut-être un stage de réinsertion. Dieu est sage, mais se réinsérer où? Dans l'univers des hommes? C'est lui qui réinsérera les hommes. Alors, une fois condamné, vous aurez des problèmes d'exécution de peine. Le mettre dans quel établissement? Courte peine? Longue peine? Purgatoire? Enfer éternel? Qu'enfer? Et puis le pire, le Père, ça va encore, mais le Fils de Dieu, avez-vous un établissement pour mineurs? La deuxième question, qui est plus philosophique, c'est celle que nous nous sommes posée en toute conscience. Avons-nous le droit de juger? Le mot théodicée vient de Leibniz, la justice de Dieu. Et est-ce que vraiment nous avons le droit de porter un jugement sur Dieu? Alors, il y en a qui ne se gênent pas. Comment juger? Comment réussir à conserver notre impartialité? Quand tout le monde part de Dieu sous toutes ses formes, je pense aux deux pages de Philippe Solers, Le Secret, 1992, qui donne la liste des titres qui ont été faits sur Dieu, parce qu'il faut connaître la personnalité de l'accusé. Donc comment on en a parlé est important pour juger. Et dans les dernières années, en 92, Solaire se citait les titres de revues ou de journaux qui parlaient de Dieu.
Dieu, le futur de Dieu dure longtemps. La science de Dieu, calcul de la surface de Dieu, à la recherche du Dieu perdu, la femme et l'avenir de Dieu. Dieu est-il athée ? On parle tellement de Dieu dans des termes même quelquefois triviaux. Dieu ne fait pas grossir. La vengeance de Dieu, les drogues de Dieu. Dieu est devenu un mot qui n'a pas de sens. Et nous, juges, il faut savoir la réalité derrière les mots. Et ça n'a pas été le plus facile pour nous. La troisième raison qui nous a fait ployer devant les accusations que nous pouvions prendre en compte, elle est un peu inavouable. J'ose à peine vous le dire, mesdames et messieurs, qui êtes le public des décisions de justice, nous avons eu un peu peur. Parce que, comme le disent entre eux les policiers, tu sais, il est de la maison. Alors fais attention. Dieu est de la maison. Pourquoi ? Dans le Deutéronome, chapitre 1, le jugement relève de Dieu. Alors vous ne voulez tout de même pas qu'il se condamne lui-même au nom de lui. Donc nous n'allons pas le juger au nom du peuple français, selon la jurisprudence du Conseil d'État, Madame Popin, 27 février 2004. Le Gaja, pour ceux qui savent ce que c'est, n'est pas encore la Bible ou le Coran. Et Jacques Brel chante « Moi qui n'ai jamais prié Dieu que lorsque j'avais mal aux dents, moi qui n'ai prié Satan que quand j'ai eu peur du bon Dieu ». Et oui, on a peur du bon Dieu. Donc ça fait pression sur le jury. Et je me libère en vous avouant qu'on a eu cette pression. La quatrième raison, et j'en termine, elle est louable, là. Et je me redresse au nom du jury. Quel sens aurait une peine, vraiment ? La sanction ne troublerait-elle pas la société plus que la non-sanction ? Question qu'il est toujours bon de se poser. Et comme le disait Cioran, on ne croit en Dieu que pour éviter le monologue torturant de la solitude à qui d'autre s'adresser. On ne va pas fermer le bureau des plaintes. Donc, de toute façon, il n'y aurait pas grand avantage à le condamner. Alors, pour admettre son innocence, c'est quand même faire un saut par rapport aux excellentes conclusions de l'avocat général. Alors, admettre son innocence, mais au nom de quoi ? Par espérance, plus que par défaut ? Je pense à ce moment-là à l'appel de Nelson Mandela dans son discours de Pretoria du 10 mai 1994, qui appelait la paix et la justice une action arc-en-ciel. Puis vient la conclusion, c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui, que Dieu bénisse l'Afrique. Alors, pour ces appels que j'entends encore dans mon oreille, pour que Dieu puisse continuer à y répondre, même son courrier arrive irrégulièrement. Il y a peut-être des grèves de la poste céleste. Mais on peut quand même espérer attendre un pli pour qu'il puisse continuer à bénir l'Afrique et le monde avec lui. Accordons-lui le temps de l'hésitation qu'on pourrait appeler le temps d'un délibéré prolongé pour l'éternité des générations futures. Ce sera le seul cas connu de célébration d'une justice très lente. Tout n'est pas joué. Il peut encore nous apporter l'espérance, parce qu'entre le doute du pénaliste et la foi du croyant, laissons-lui cette liberté. Je crois, et nous voulons croire, c'est le sens de notre proposition de mise en délibéré prolongée, qu'on s'arrête quelquefois à Eboli, mais qu'il y a toujours après un après-Eboli dans l'espérance. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Nous allons remettre les... Je demande au bâtonnier Christian Chaillard-Brunazel de venir sur la scène. Je demande à Maître Solange Domic de venir sur la scène. Je demande à Maître Laura-Lise Bouvier de venir sur la scène, ainsi qu'à Maître Bertrand Perrier et au président de l'université, s'il vous plaît, de venir sur la scène. Juste un petit mot, mon ami Gérard Beckerman a l'intention de faire appel. Hein, de... Donc,
Allez, qu'est-ce qu'on va nous donner? Non, non, justement. Ça, c'est plus. Ah, ok, il manque. Vous pouvez vous lever, peut-être se dégager un peu, mais je vois qu'on est serré. C'est parce que c'est forcément loin de moi. Salut. Allez, le diable avec moi. Soyez prêts à recevoir l'onction divine, chers amis. Elle arrive, elle est belle. On vous dit, et puis vous dites le nom du prix. Bon, messieurs les membres du grand jury, je vous prie de vous lever pour décerner les prix aux exceptionnels orateurs que nous avons eu le bonheur d'écouter ce soir. Alors, qui commence? Bon, mon père. Mon père qui va remettre un prix à l'envoyé du diable. À la tentation. Mon père, pas ton papa. J'espère que mon père... Je suis assez intimidé. En théologie, nous recherchons la foi, l'espérance et la charité. Donc je vous remets le prix de l'espérance. Et vous avez donc du chemin à faire, petit diable que vous êtes, Marie-Laure Alice. Et donc, il faudra faire un chemin de foi et de charité pour arriver. Merci infiniment. Alléluia! Monsieur le Séraphin de Dieu. Monsieur le Séraphin de Dieu, cher Bertrand Perrier, alors voici le prix de la fraternité qui est décerné au nom de Pascal Galli. Par moi, je vous avoue que j'ignorais tout des Séraphins, je ne les avais jamais rencontrés. Et je ne les imaginais pas comme cela. Mais, et vous m'avez plutôt fait penser à Mercure, aux mille artifices, aux mille éclats de rire qui n'ont cessé de vous accompagner avec la petite dose de taquinerie qui est nécessaire à l'intelligence et à l'humour. Merci. Félicitations. Merci beaucoup. Merci. Monsieur le bâtonnier Elie Caïm, madame la défense de Dieu. Chers confrères, d'abord ça me fait plaisir. Ensuite, Bertrand vous le dira, vous avez remplacé Dieu au pied levé, en tout cas le Dieu de Genève et de Bertrand. Vous êtes dans la digne suite d'Abraham à défendre Dieu. Vous avez sauvé sa tête pour l'éternité. Et puis pour ma part, vous avez peut-être encore apaisé un peu de mes doutes. Pour tout ça, je suis très heureux de vous remettre ce prix. Et donc je décrète que Maître Solange Doumic a le prix de la foi. Son prix est un peu différent parce que ces plaques viennent du Togo, hein. C'est du bois togolais qui a traversé mille et monts et veaux pour arriver jusqu'ici à Paris. Et donc nous clôturons par le prix du bâtonnier Christian Charrière Bournazel qui sera remis par Madame l'ambassadeur. Merci. Monsieur le bâtonnier, vraiment, on a été sidérés par tout ce que vous avez dit. Vous avez été digne d'être l'accusé de Dieu. Mais en fait, on a vu dans vous que vous avez vraiment un cœur de l'amour. Voilà. Je voulais dire simplement que je suis heureux de voir que l'avocat de Dieu a de quoi maintenant ranger ses indulgences. Monsieur le président de la Sorbonne va nous congédier. Eh bien, sortez. Eh bien, le moment est venu de sortir. Mais je tiens à vous dire que c'est l'université que j'aime et vous la portez bien. Merci. Thank you.